Bonjour et bienvenue aux membres présents ici dans la salle et chez vous à cette journée hommage à la pensée de Francisco Varela, une pensée vivante. Et on va essayer de vous faire découvrir, mais surtout de vous faire aimer au travers des travaux qu'on peut avoir actuellement et qui peuvent également vous permettre d'agir à la fois par votre esprit, mais aussi par votre corps et vos actes dans une pensée incorporée et une invention de soi. Donc, on remercie le CRI de Paris, Centre Recherche Interdisciplinaire, de nous accueillir pour cette journée. Nous aurons quelques mots du directeur qui, je pense, aura l'occasion de vous montrer toute la cohérence de cet accueil par rapport à la pensée de ce biologiste. Et nous allons vous proposer, avant de passer le programme de la journée, une petite vidéo de la philosophie de cette journée. Ça doit pouvoir bouger, après ça doit pouvoir bouger, et puis ça va. Et le poids doit jouer avec. Parce que le poids te donne le temps. C'est comme le saut d'un animal qui prend son temps et qui connaît son poids et qui connaît sa possibilité et qui sent presque comme un radar là exactement où il va aller. Tu vois? Il me semble que c'est aussi vrai des autres apprentissages. C'est-à-dire que, je dirais aux éducateurs, l'invention. J'ai dit l'invention, parce que ce sont des choses qui n'existent pas, presque pas, il me semble. L'invention de l'implication du corporel et l'émotionnel dans le processus d'apprentissage qui fait justement l'émergence du nouveau, c'est essentiel. Parce que sinon, ça ne s'enracine pas dans cette transformation structurelle du corps, et donc c'est un apprentissage qui est très superficiel et qui passe très vite à une espèce de classement d'oubli, d'abstraction. Alors, nous remercions l'ensemble des équipes du CRI, Sarah, Olivier, Jean-François, Eric, ainsi que la coordination de l'après-midi avec Jean-François Gégaud pour l'ensemble des intervenants que nous avons sollicités qui ont répondu présents à cette journée, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc, nous sommes vraiment en hybride. Et sans plus attendre, nous donnons la parole donc à François Taddeï pour la présentation de ce centre de recherche interdisciplinaire et en quoi cette maison-là a pour projet également d'incorporer par l'expérience et par le corps nos expériences. Merci à tous et bonjour à ceux qui sont là, en ligne ou en présentiel. C'est un peu bizarre de tourner le dos à certains, mais c'est un peu les règles du jeu. Moi, je suis touché d'être là aujourd'hui parce que, effectivement, je pense que pour beaucoup, Francisco Varela est un père spirituel. Il se trouve qu'en plus, je viens de parler à mon propre père, puisque c'est son anniversaire, donc il y a une espèce de conjonction de dates et c'est assez amusante. Moi, je pense que j'ai découvert la notion d'autopoïèse bien avant de découvrir ce que Varela avait directement contribué à cette notion, mais elle est évidemment centrale dans le vivant. Aujourd'hui, on se demande même comment se fait-il qu'on ait attendu si longtemps pour l'avoir, parce que c'est quelque part peut-être l'une des meilleures définitions qu'on puisse avoir du vivant. Si on trouvait de la vie sur une autre planète, il y aurait forcément de l'autopoïèse et de l'évolution. Et d'ailleurs, c'est ce que la NASA aujourd'hui recherche. Elle ne recherche pas une signature biochimique, elle recherche des systèmes autopoïétiques capables de s'adapter, d'évoluer et de se réinventer en permanence. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extraordinairement profond qui nous a tous probablement inspirés, qu'on le sache ou pas, en termes d'origine. Le côté inaction, on en parlera plus dans d'autres tables rondes, mais ce besoin d'agir, comme ça a été très bien montré dans la petite vidéo que vous avez choisie, me paraît une évidence, effectivement, pour toute
pour tout apprentissage humain, puisqu'on est des. Pour tout apprentissage même animal, et ça, Valérie-là l'avait très bien compris. Donc, je pense que la combinaison de ces points sera creusée par des gens qui sont beaucoup plus experts que moi de ces sujets. Mais je pense que c'est à la fois consubstantiel à sa pensée, au vivant et aux êtres humains, et à toute pensée créative et à toute capacité à essayer d'aller au-delà de l'existant. Et ce lieu, tu le disais, Gaëtan, en introduction, est un peu particulier. Par certains côtés, c'est un lieu qui a beaucoup de dimensions autopoétiques. C'est un lieu aussi où on encourage l'apprentissage par le faire et donc l'inaction. Et c'est un lieu où on encourage la créativité. Mais en fait, c'est aussi un lieu qui a cru exponentiellement, en doublant de taille à peu près tous les 18 mois depuis une grosse quinzaine d'années. Parce que tous ceux qui y sont, y apportent quelque chose. Gaëtan est arrivé, il racontera lui-même son parcours probablement, mais le fait qu'un étudiant propose d'organiser une journée comme celle-ci, c'est typiquement le genre de choses dont on est plus qu'heureux au prix en général, et en particulier quand c'est consacré à quelqu'un comme Varela, qui a justement incarné ces valeurs-là. Et donc ce lieu est un lieu effectivement très inspiré par ce genre de valeurs, très bio-inspiré, et donc très Varela-inspiré, puisque Varela a bien contribué à repenser ce que c'était que le vivant et ce que c'était que cette capacité à s'adapter et à se réinventer en permanence, à la fois dans notre pensée, dans notre créativité et dans notre relation aux autres, dans notre relation aux objets, notre relation au monde. Et ça, je pense que c'est effectivement quelque chose de très fondateur. Et je ne voudrais pas parler trop longtemps. Je pense que le but, c'est d'échanger. C'est beaucoup plus fidèle à la philosophie du cri en général et aux idées de Varela en particulier. Donc, je pense qu'on est plus là pour échanger. Et donc, je me réjouis, Gaëtan, que tu aies invité d'autres personnes pour travailler dans cette table ronde. Et je pense que ça... C'est l'ensemble des partenaires ici présents, leur variété et leur engagement à la fois scientifique mais aussi de terrain montrent une fois de plus la philosophie que tu aimes à dire de ce lieu. Au-delà d'un centre de recherche interdisciplinaire, c'est aujourd'hui un carrefour de rencontres intéressantes qui va nous permettre, au-delà d'une pensée, de produire, et tu l'as très bien dit, une pensée en actes. Et on voit bien ici les actes qui sont au-delà des paroles, ce qu'aimait plus que tout voir et expérimenter Francisco Varela. Alors bien sûr, et on va le voir tout au long de la journée, Francisco Varela, c'est quand même une pensée dont il est difficile de rentrer, comme on pourrait dire, dans le corps de cette pensée en début. Il faut l'expérimenter, et donc nous, on a expérimenté, comme vous le voyez ici, avec l'hybridation et les intervenants qui sont chez eux autour d'une table ronde physique, le cercle créateur, et nous vous intégrons également à ce cercle créatif que l'on pense qui va vous apporter des débats et également une réflexion sur votre pratique. Et puis, on va également essayer, au-delà du souvenir et de la pensée de Francisco Varela, de voir comment, en s'appuyant sur les épaules de ce grand homme, de ce grand personnage, essayer, nous, d'agir en 2021. Et par rapport à ce que tu disais, je pense que la pensée créative qu'on va avoir cet après-midi, mais aussi l'entrée du numérique dans une idéologie varélienne qui se voulait à l'opposé justement du modèle computationnel de la cognition, et ben paradoxalement, va pouvoir nous permettre de donner des outils pour montrer un numérique plus humain, une humanité numérique, comme on pourrait l'appeler, et également de voir en quoi l'outil numérique peut nous rendre beaucoup plus vivants, beaucoup plus humains, par une focalisation et une attention sur un environnement qui va devenir un environnement capacitaire. Et nous le verrons également avec les interventions et l'éclairage philosophique, d'être dans cet être au monde d'une pensée varélienne qui est dans une philosophie phénoménale, et donc avec une relation aux objets et une relation à l'environnement qui est toute personnelle. Et cet environnement personnel, eh ben, c'est la construction de son monde, la construction de soi. Et donc, comme l'a écrit Michel Bidbol et Ami Varela, dans le cercle créateur,
Cisco Varela a vécu sa pensée, mais a aussi pensé sa vie. Et il considérait effectivement comme un non-sens la séparation entre la pratique expérimentale et l'expérience de la vie. Et c'est pour ça que la richesse des intervenants font qu'ils sont également dans cette double posture pour la plupart, entre une recherche scientifique et puis une action de terrain, que ce soit dans leur création ou leur vécu corporel, pour essayer de comprendre l'expérience. Donc le passage de la troisième personne à la première personne, et qui va également nous faire rentrer dans cette idéologie-là. Alors pour cette première table ronde, justement, nous allons entrer par une vision à la première personne de ce qu'a pu avoir comme conséquence autopoétique, auto-organisationnelle, la pensée et les écrits, voire la vision de Francisco Varela, le contact même pour certains qui ont travaillé avec lui. Donc c'est l'objet de la première intervention de Roberto Toro, de nous expliquer justement, comme Varela par ses origines chiliennes également, mais par sa vie en ce moment en France, comment ce parcours-là a pu être inspirant, et comment cette idée des racines chiliennes de la vallée de Monte Grande, ce que Varela appelait sa maison, peut être aussi source d'inspiration et de pensée pour percer ce qu'il appelait le secret de la vie. C'est également dans cette idée de comprendre le contexte des idées varéliennes que Jean-Philippe Lachaud nous proposera une intervention partant de sa thèse, dont le directeur de thèse était Francisco Varela, sur l'attention. Alors, en quoi l'attention peut justement être amenée à développer sa propre action, sa propre relation au monde, et puis les travaux actuels qui peuvent avoir lieu par rapport à cette pensée-là en 2021. Et enfin, on terminera cette première table ronde avant une place pour la discussion par Germain Poisa sur cette approche justement inactive. Et on le verra aussi, c'est un élément central du projet de la maison du CRI, c'est-à-dire que la formation des adultes, la formation tout au long de sa vie, et pas forcément uniquement à l'école, pas forcément uniquement à l'âge entre guillemets scolaire de ce qu'on pourrait appeler un élève, est réducteur de toutes les activités adaptatives et de toute l'expérience que l'on peut avoir pour essayer de s'adapter et de s'ouvrir au monde. Par la suite, nous ancrerons les débats dans une deuxième table ronde sur un élément beaucoup plus conceptuel, pour essayer de poser justement la discussion avec Sylvain Hanneton sur la modélisation de l'inaction, et voir avec Bernard Andrieux sur l'émerciologie, puis avec Jacques Thoreau sur le programme du cours d'action, comment on peut imaginer un programme qui a presque 50 ans dans ses origines et 20 ans après le décès d'un de ses concepteurs, comment on peut essayer d'aller au-delà, d'actualiser cette pensée pour justement, en tant que biologiste autopoétique, la rendre vivante avec le contexte actuel. C'est également l'exemple que je donnerai sur le terrain par ma recherche en cours d'orientation en tant que prof de PS, mais c'est aussi, alors, cette course d'orientation qui nous met en relation et en adaptation avec le monde, c'est ce qu'on va pouvoir voir dans quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus, entre guillemets, créatif, et à la recherche de soi et des autres, par la table ronde de l'après-midi sur la pensée créative, où là, on va avoir des mises en relation, que ce soit par des installations interactive, numérique ou pas, tel que le propose Jean-François Gégaud,
tel qu'également va nous le proposer dans sa mise en relation Shen Shuyin avec la notion de corporalité qui est vraiment centrale et qui est difficile de faire partager sans la vivre et sans vraiment l'expérimenter. Mais en tous les cas, on essaiera de vous ouvrir à cette relation-là. Et c'est aussi l'inspiration que va nous présenter Pierre Delourd avec des installations qui permettent une mise en relation entre l'intelligence artificielle. Et les écrits de Varela sont également très inspirateurs pour la communauté de l'intelligence artificielle dans cette relation à adapter l'objet à la situation et aux caractéristiques de l'individu. Et nous terminerons cette journée avec deux artistes chorégraphes engagés, Sarah Louis, chercheuse également sur l'interaction homme-machine, ou peut-être inversement, on verra si, si ce cercle créatif peut avoir des impacts sur notre action. Et dans cette même idée-là, avec Margarita Bergamo, sur cette idée de qui est le spectateur et qui est le danseur dans une chorégraphie qui va au-delà de l'acte de regarder, va être une création. Alors, est-ce qu'elle sera virtuelle, est-ce qu'elle sera réelle? Et en tous les cas, un mode d'auto-organisation entre le spectateur et le danseur dans un lieu qui, fondamentalement, ne semble pas conçu pour la danse. Et donc, par là même, on termine aussi la boucle avec ce lieu qui est fondamentalement scientifique, mais qui s'ouvre aussi, le CRI, avec la place de l'art également, comme peut-être une interrogation pré-scientifique ou au-delà des usages et des conditions que peuvent s'astreindre les scientifiques. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle au Chili, mais en tous les cas, quand on dépeint la pensée de Francisco Varela, à la fois engagé et au service de ses idées, en France, on appelle ça une lumière. Roberto. Donc, nous allons commencer la première intervention donc, de Roberto Toro, qui est également professeur ici dans cette maison au CRI. Donc, ça semblait intéressant de commencer par toi, Roberto. Oui. Juste pour ceux qui nous regardent à distance, vous pouvez communiquer par le chat du live YouTube pour avoir vos questions qui seront données aux intervenants par le médiateur. Bonne journée, merci beaucoup. Merci. Bonjour, merci pour cette invitation. Et donc, pour moi, la pensée de Varela a une telle influence que j'ai du mal à estimer combien elle peut être influente pour d'autres, parce que depuis mon point de vue, c'est juste, ça fait partie presque du fond. Pour moi, c'est vraiment un grand honneur de pouvoir parler un peu de ça. Je l'ai connu très, très peu. Je l'ai vu peut-être en tout... Enfin, juste quelques fois, mais sans doute c'est la manière de penser, le discours de Varela est en grande partie la raison pour laquelle je fais le métier que je fais et que je me trouve en France aussi. Et donc je peux vous partager mon écran. Je vais partager. C'est bon, vous voyez mon écran? Parfait. OK. Donc, enfin, je ne savais pas trop quoi en dire, mais Gaëtan m'a dit que ce serait intéressant de donner un peu le contexte du Chili et de l'époque de Varela, et ensuite le contexte dans lequel cette pensée a un peu grandi.
Et donc, le Chili, moi, en tant que Chilien, pour moi, était toujours un tout petit pays qui est loin de tout et qui se demande d'où ça vient. Après, enfin, il n'est pas vraiment tout petit, mais géographiquement, au moins, il est assez étendu. Là, si vous le mettez sur la carte de l'Europe, vous voyez que c'est quand même très grand. Mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de gens. Et c'est, quand on compare le Chili et la France, par exemple, et le Chili, c'est, enfin, il y a une culture chilienne qui est assez riche, mais on n'a que deux prix Nobel. C'est deux prix Nobel en littérature. On n'a jamais eu de prix Nobel en sciences. Donc, du point de vue scientifique, le Chili regarde tout le temps vers l'extérieur. Et le Chili, et c'est un peu le cas aussi pour toute l'Amérique latine, essaye de trouver ses racines. C'est un peu la question, j'imagine, dans plein de pays d'immigration. Le Chili, c'est un pays d'immigration avec un... C'est fait par l'interaction entre les peuples et Mapuche et d'autres peuples autochtones et les Européens à plusieurs moments de l'histoire. Et donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on est, on ne sait pas vraiment d'où on vient. Et à tout niveau, ça, c'est un projet qui est assez joli. C'est Amerida, c'est la refondation un peu spirituelle de l'Amérique. Donc, normalement, on a l'habitude d'avoir la carte, de mettre le haut de la planète dans le pôle nord et pas dans le pôle sud. Donc ici, ce que ces artistes ont fait, c'est un groupe d'architectes, de poètes et latino-américains. Ils ont essayé de se poser la question de ses origines en retournant la carte et mettant le pôle sud en haut de notre carte. Ensuite, ils ont fait une projection de la croix du sud sur le continent américain du sud pour essayer de trouver le cœur de l'Amérique. Ensuite, ils ont fait une grande expédition, vous voyez un peu le trajet qu'ils ont suivi, pour aller faire la fondation du cœur spirituel, on va dire, de l'Amérique. Donc ça, c'est un peu un effort de fondation artistique de l'Amérique, mais voilà, ça se présente, c'est un problème, ce problème de racines. Qu'est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on vient? Est-ce qu'on fait partie de l'Occident? Est-ce que notre pensée a participé dans l'histoire scientifique et culturelle du monde? C'est une question qui se pose tout le temps. Et il y a eu en particulier un moment qui est clé, qui fait une grande différence entre le Chili que Francisco Varela a pu expérimenter, celui que moi j'ai pu expérimenter. Donc c'est septembre. Le 11 septembre, September 11, mais notre September 11 au Chili, il n'est pas exactement celui des Américains. On est lié aux Américains parce que c'est les États-Unis qui ont financé un coup d'État, enfin, en fait, plusieurs coups d'État dans toute l'Amérique latine. Et ils ont mis en place un gouvernement militaire qui a duré très longtemps. À cause de ça, plusieurs Chiliens sont décédés, plusieurs autres sont partis en exil, en particulier Francisco Varela a dû quitter le pays. Et donc le pays que lui il a vécu, c'était un pays fortement engagé, c'était un pays où il y avait une voie du socialisme démocratique et pacifique qui était complètement écrasée. Et moi, le Chili que j'ai vécu, c'était un Chili où rien ne se passait. Donc c'était moi je suis né en 72, le coup d'État c'était en 73, septembre 73. Et donc après c'était un grand silence. Donc moi j'avais pas, comme vous l'imaginez, en étant tout petit, conscience de ce qui se passait. Moi, juste l'impression que j'avais, c'était d'être dans un pays où rien ne se passe. La musique, il n'y avait pas vraiment une musique à proprement parler. C'était genre la musique que le gouvernement militaire acceptait quelque part. Et on allumait la télé, c'était la chaîne de l'État. Il n'y avait pas vraiment de contenu intéressant ou challenging. On voyait, je ne sais pas si vous connaissez Bonanza, donc c'était même vieux à l'époque où nous, on le regardait. C'était vraiment, il n'y avait rien. Donc pour moi, c'était l'ennui. Le Chili, pour moi, ça a été toujours, ça c'est peut-être le signe de mon enfance, le symbole de la nuit. Et alors du coup, en grandissant, j'ai fait des études d'ingénieur et j'étais toujours intéressé par la biologie, un peu par la philosophie. Et du coup, à ce moment-là, découvrir le travail de Umberto Maturana et Francisco Varela, ça a été une grande porte qui s'ouvrait. Donc Maturana et Varela ont créé ensemble cette idée d'autopoïèse. Pendant quelques années, et
Francisco Varela est revenu au Chili pendant les années 80, si je me rappelle bien, et ils ont écrit ce livre que je pense que tous les Chiliens connaissent. C'est une espèce d'introduction à la biologie, mais qui est très fortement influencée par des pensées et philosophiques et cybernétiques en particulier. Donc tout le long du livre, vous avez, là je vous le mets au petit coin, il y a Francisco Varela, Humberto Maturana qui vous promènent dans les différents aspects de la philosophie naturelle et de la biologie. Et donc là il y a enfin, un peu le schéma qui essaye de mélanger ces différents aspects. Et qu'est-ce qu'être qu'un être humain? Et en particulier, il y a cette question qui est un peu propre à la pensée cybernétique, qui est de se poser la question sur la représentation. Et il y a tout le temps cette balance, et il y a des illustrations de ce type-là. Là, je pense que c'est Maturana qui est dans le bateau, peut-être Varela, il est quelque part ailleurs dans la figure. Donc, entre le monstre Scylla du représentationnisme, donc d'avoir l'illusion d'un monde externe dans lequel on serait un peu quelque part parachuté, on aurait une vision objective où on représenterait des choses qui existent dans le vrai monde, ça c'est un peu dans notre miroir de notre esprit quelque part, et le pôle un peu opposé, c'est le vortex du caribidisme et du solipsisme, donc à avoir l'idée que tout est illusion et que je suis la seule personne qui existe dans ce monde. Donc c'est tout le temps dans cette tension où on essaye de concevoir qu'est-ce que notre pensée, qu'est-ce que la biologie, qu'est-ce que ça veut dire qu'être vivant, etc. Donc il y a quelque chose que je ne vais jamais pardonner à Maturana et Varela, c'est dans tous les livres que j'ai lus, il n'y avait pas de référence. Et c'est peut-être ce qui manque le plus. Donc, surtout pour quelqu'un qui se pose des questions sur ses racines et les références, d'où elle vient cette pensée, et c'est très très important. Et peut-être ce que je veux vous montrer, c'est juste l'effort que j'ai fait depuis ce moment-là, depuis que j'ai découvert le livre de Varela, de retrouver les racines de cette pensée. Donc, bien sûr, en continuant à regarder les travaux de Maturana et Varela, il y a cette idée d'autopoïèse, donc les êtres vivants, et ils créent les conditions qui permettent leur propre existence. Donc, ils essayent de conserver leur identité, de créer et conserver leur identité. Et c'est quelque chose qui est assez essentiel. Donc, l'idée que, on n'est pas vraiment différent du monde, mais on n'est pas non plus exactement en continuité avec le monde. C'est un échange, une balance entre être et partie du monde et être un être indépendant. Et il y a eu aussi, et c'est une tradition chilienne, même si c'est pas facile à voir directement dans leurs travaux, et vers une pensée cybernétique qui est assez intéressante. Là, c'est Fernando Flores, c'était un jeune ministre d'économie de Allende, et Salvador Allende, et qui était très intéressé par la cybernétique. Donc il a écrit en particulier, après lui aussi, comme il était pas mal à gauche, il est parti exilé, et il est parti travailler en particulier avec Terry Winograd, qui est un des pionniers de l'intelligence artificielle, et ils ont écrit en particulier ce livre Understanding Computers and Cognition, où ils essayent de donner une sorte de modélisation et basée sur les idées cybernétiques et de Maturana Varela sur l'autopoïèse et la vie pour des organisations sociales, en particulier des organisations des entreprises. Donc, et Fernando Flores était très influencé par la pensée de Stafford Beer, qui est un cybernéticien anglais. Donc, Stafford Beer, il est considéré le père de la cybernétique managérielle aujourd'hui, bien que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, Stafford Beer, au départ, il était comme ça, un businessman anglais, et ça se voit reflété dans le type de schéma qu'il proposait, un peu cybernétique. Mais petit à petit, il est devenu comme ça, donc de plus en plus un chaman, et ces schémas commençaient à ressembler de plus en plus à des mandalas, où cette idée de self-reference et de auto-création et de cybernétique, finalement, de génération d'autopoïèse, on peut dire, et devient de plus en plus importante. Il est venu au Chili et ils ont essayé, et ça c'est un peu les idées qu'il avait le lien entre le monde que vous avez dans le schéma à gauche et un système cybernétique qui pourrait essayer de s'intégrer genre quelque part inactivement ou autopoïétiquement avec le monde pour évoluer en même temps. Donc lui, il a essayé de faire ça dans plusieurs systèmes.
il a essayé de faire ça avec le Chili tout entier. Donc là, ce que vous avez à droite, c'est un système cybernétique qui cherche quelque part à être, on va dire, autopoïétique pour que le Chili se contrôle lui-même. Donc l'idée, c'était que là, vous avez en bas du schéma le peuple chilien. Donc on devait avoir un algedonic meter. Donc c'était un système pour le, avec lequel on pouvait dire si on était content ou pas. Et avec notre perception de, locale du pays, on pouvait avoir une action sur le pays tout entier. Donc là, toute la politique de Allende, du gouvernement socialiste de l'époque, allait être déterminée par le peuple. Donc c'était les gens dans les entreprises qui allaient fournir les informations, les gens dans leur maison qui allaient dire comment ils allaient. Toutes ces informations allaient être combinées cybernétiquement de la manière la plus anarchique, enfin anarchique dans le sens qu'il n'y a pas de centre et de commande pour déterminer le devenir du pays. Et ça, ça c'était la salle à la Moneda, qui était la maison, le palais présidentiel, et où et on allait recevoir toutes les informations qui venaient du reste du pays. Et ça a été complètement détruit au moment de l'arrivée des militaires. Mais ce que vous voyez au fond, c'est le même schéma de Stafford Beer sur le système viable à l'échelle d'un pays tout entier. Donc, enfin pour moi, c'était quelque part une découverte de voir un peu que le Chili, ce n'était pas un truc de complètement ennuyant, qu'il y avait peut-être des liens, une pensée qui commençait à me montrer quelque part des racines avec le reste de la pensée. Je commençais à me faire quelque part le chapitre de référence qui manquait au livre de L'Arbre de la connaissance ou les autres livres que j'avais pu lire de Maturana et Varela. Donc, et ça m'a emmené à, en particulier à travers la pensée de Fernando Flores, à découvrir les travaux des phénoménologistes européens et allemands, en particulier Heidegger, Husserl et en France Merleau-Ponty. Donc c'est une pensée qui est très inspirée par la phénoménologie, l'idée de donner vraiment une sorte de validité à la perception en première personne quelque part, et c'est une pensée qui est encore vivante. Donc même dans la biologie et dans la philosophie, il y a des travaux, j'ai pu découvrir les travaux de Robert Drossen ou même aujourd'hui et Evan Thompson, qui est un philosophe qui a travaillé avec Varela, ou Maël Monteville qui continue à poser des questions sur l'origine de la vie, ou des jeunes chercheurs comme Fernando Rosas qui s'intéressent encore aux questions associées à l'émergence. Donc pour moi, enfin, ce que c'est intéressant aussi avec ces jeunes chercheurs, c'est que maintenant vous pouvez même les suivre sur Twitter, ce que vous ne pouvez pas faire avec les autres. Donc quelque part, ça cette pensée m'a ouvert une porte sur quelque part les racines que je cherchais et qui vont très profondément. Donc là c'est je pense que si je devais tracer toutes ces idées de flux, de changements permanents, des choses qui deviennent ou qui sont, mais juste dans le changement, serait peut-être la pensée d'Héraclite. Et ce que c'est intéressant avec Héraclite, c'est que vous pouvez aussi le suivre sur Twitter, parce que j'ai fait un bot sur Twitter qui vous tweet la pensée d'Héraclite, et pendant la journée, c'est très sympa. Et qui a aussi des racines, donc cette pensée qui est un peu avant une pensée logique comme celle qui pourrait être plus associée à Aristote, et c'est aussi une pensée qui nous lie avec philosophiquement avec d'autres traditions philosophiques comme le zen ou le bouddhisme. Donc cette idée d'auto-création et d'existence à travers le changement. Et voilà, donc pour moi, c'est un problème qui est essentiel. C'est la question de... Ça définit complètement la manière dont je conçois et mon travail, mais aussi mon existence. Se poser des questions sur ce qu'on fait, c'est un rappel permanent aussi qu'on ne va pas être tout le temps. Donc, c'est à un moment, ce sera la fin, c'est un memento mori, et se rappeler qu'on va mourir. Et donc, c'est le cas des deux créateurs des idées autopoïétiques. Donc, tous les deux nés au mois de septembre, tous les deux partis au mois de mai. Donc, et Francisco Varela le 28 mai, et un peu plus tôt ce mois, et Umberto Maturana. Et donc, pour moi, c'est un peu l'opportunité de les remercier. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Donc, nous allons enchaîner avec Jean-Philippe. Directement, ok. Lachaud. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange à l'issue de la présentation de Germain Foisa. Tu as des... Non, mais en attendant, c'est... merci Roberto, c'était vraiment très riche et très inspirant de voir les racines à la fois chiliennes et jusqu'à Héraclite et nos amis orientaux. Très fort, merci. 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 Oui, c'est une découverte permanente. Et c'est, on se demande ce que, enfin, c'est le drame d'Allende et de tout Chili, c'est quand même. On se demande ce que ça aurait pu devenir, parce que c'était quand même hyper visionnaire. Oui, il y a des. Enfin, c'est vraiment là qui était visionnaire, c'est tout le Chili. Il y a des livres de science-fiction là-dessus. Oui, ça doit être passionnant. C'est des victoriennes, si jamais l'ordinateur de Babbage avait marché. Mais version chilienne. Bon bah, bonjour à tous. Alors du coup, je ne sais plus trop me placer. Je faisais deux visages, comme Janice. Je vais donc regarder la caméra en admettant que vous voyez. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette journée. C'est vrai que c'est un petit peu émouvant. 28 mai 2021. Voilà, 28 mai 2001. Donc moi je témoigne en tant qu'ancien étudiant de Francisco Varela où mon histoire est un peu disons, étonnante. Peut-être je peux passer à la suivante. Juste vous raconter comment j'ai rencontré Francisco. Et puis il y a tellement d'angles sous lesquels je peux parler de Francisco. J'en ai choisi un, vous verrez, qui est celui de ce qui se rapproche le plus de ce qu'il a appelé neurophénoménologie. Donc la confrontation données première et troisième personne, je reviendrai là-dessus. Mais mon histoire avec Francisco, elle commence tôt, hein, puisque j'étais jeune étudiant en école d'ingénieur, puis je me demandais un peu ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que j'étais très intéressé par prendre l'attention et le cerveau, à l'apostrophe, attention. Et de ce point de vue, ça m'avait amené à considérer, me rendre compte que c'était étudié de deux façons, soit d'un point de vue très pratique, incarné, qui était la première personne, qui était sous l'angle de la méditation, notamment zen, et puis sous l'angle des neurosciences, donc sous l'angle un peu théorique. Donc j'avais ces deux intérêts, puis je me retrouve à Boston dans un centre zen, à discuter comme ça avec un autre pratiquant. Il dit voilà ce qui m'intéresse dans la vie, mais je sais pas trop quoi faire. Il dit lis ce livre. Il y a un livre que tu devras absolument trouver, qui s'appelle The Embodied Mind. Alors il se trouve que c'était la veille de mon retour en France, et donc je me précipite à MIT, enfin dans ces belles bibliothèques là où il y a plein de et tous les livres du monde, notamment les MIT Press. Je prends ce livre et puis je commence à le lire dans l'aéroport. Et dans l'aéroport, je vois cette phrase, d'ailleurs, qui n'a pas été écrite par Francisco, mais par Evan Thompson, à propos du bouddhisme et des sciences cognitives, qui était « When those two planetary forces meet together, what might not happen ?» Donc, qu'est-ce qui reste impossible, hein, une fois que ces deux forces planétaires, le bouddhisme et les sciences cognitives, se rencontrent. Enfin, je crois que c'est la science, d'ailleurs, à ce propos. Et je me dis, mais en fait, ça y est, quoi, c'est exactement ce que je veux faire. C'est mes deux passions, mes deux centres d'intérêt réunis. Et il y a une personne au monde qui peut faire ça, Francisco Varela. Et je vois que, en fait, Francisco Varela est professeur à l'école polytechnique où j'étais. Donc, hasard total. En fait, il était au CREA qui dépendait de l'école polytechnique. Et donc, le lendemain, je crois que je vais le voir. Et je lui dis, monsieur, il faut que je travaille avec vous. Voilà, toute ma vie, c'est de travailler avec vous. Donc, il m'a un peu calmé en faisant m'expliquer comment ça fonctionnait avec les DEA, etc. Mais donc, rapidement, je me suis retrouvé avec Francisco, en thèse, avec cette idée d'avoir ces deux approches, de dire les neurosciences cognitives, ce n'est pas une science comme les autres. Le cerveau n'est pas un objet d'étude comme les autres parce que ce n'est pas comme l'exploration de Mars, l'astrophysique, la relativité, etc. On a un cerveau, donc tous les jours on se lève et on peut observer ce que ça fait d'avoir un cerveau. Et tout, c'est la plupart des processus cognitifs, beaucoup entre eux, ont une dimension consciente qu'on peut observer de soi-même. Ce qui nécessite d'avoir une certaine discipline de son attention pour avoir cette capacité d'observation. Ce qui après, je reviendrai là-dessus, amènera Francisco à s'intéresser non seulement à la méditation, mais à l'époque du cerf.
Et donc, voilà, dès le début, il me paraissait complètement inenvisageable d'étudier le cerveau comme une entité complètement extérieure, comme c'était le cerveau, un système nerveux d'une abeille, puisque le cerveau humain, on en a un, et donc on peut savoir. En tout cas, il y a une quantité d'informations extrêmement importante qu'on peut tirer de ça. Donc voilà, en fait, effectivement, quiconque a commencé à s'asseoir sur un coussin et faire de la méditation constate que, bah, en fait, sous des dehors apparemment mystiques ou quoi que ce soit, en fait, il s'agit simplement de munir d'un poste d'observation. C'est-à-dire d'observer sa vie mentale telle qu'elle nous apparaît, avec voilà, ses flux, ses allées, ses venues, toute cette dynamique, et d'essayer de remarquer jour après jour, séance après séance, des régularités qui se reproduisent et qui finissent par construire, d'observation en observation, une sorte de modèle. Alors, évidemment, c'est un peu contradictoire parce que justement, l'idée de modèle et de théorie est complètement antinomique avec l'idée de la méditation. N'empêche qu'on est humain et c'est très difficile de ne pas être là-dedans, de ne pas construire une sorte de représentation, voilà, de comment l'esprit fonctionne à partir de ces observables, de ces observations récurrentes. Et finalement, c'est ce que fait, c'est ce que se donne comme projet les neurosciences cognitives. Alors oui, donc c'est ces fameuses images du cerveau qu'on voit tout le temps, il y a une fonctionnelle, etc. Mais en tout cas, on a deux jeux de données là qu'il faut combiner, qui semblent indispensables de combiner, mais c'était extrêmement peu à la mode à l'époque. Parce que je vous rappelle qu'on était dans un temps où l'étude des données à la première personne, c'est-à-dire demander à une personne ce qu'elle expérimente, quelle est son expérience, quelle est sa vie mentale, c'était considéré comme ascientifique. Il y a ce livre que j'avais cité, Trusting the Subject, où Francisco avait contribué, qui justement posait cette question, c'est-à-dire quel statut donner aux données à la première personne. Est-ce que ce sont des vraies données scientifiques, sachant qu'une personne peut potentiellement vous raconter n'importe quoi sur ce qu'elle vit. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Et malgré tout, on aimerait bien. Alors, il se trouve qu'à cette époque, on s'était bien rendu compte qu'on était dans une impasse, qu'il y avait certaines activités du cerveau, certains phénomènes mentaux qu'on avait bien envie d'étudier, comme le rêve, comme les émotions, comme la conscience, etc., et qui demandaient nécessairement d'accéder à l'expérience d'un sujet. Parce que quand on lui demandait est-ce que vous ressentez quelque chose de plus positif ou négatif face à cette image, ou est-ce que vous avez rêvé cette nuit, ben forcément, il faut faire confiance au sujet. Donc, les sciences cognitives étaient un peu bloquées, mais en même temps, on sentait bien qu'on était en train, il y avait un mur qui était en train de s'effondrer, là, qui était cette interdiction totale d'utiliser les données à la première personne. Et donc, la neurophénoménologie, et le papier de Francisco, là, sur le sujet, date de, c'est 96, hein, Journal of Consciousness Studies, donc on voit qu'il avait probablement eu du mal à placer son papier dans un journal d'un fort facteur d'impact. Donc, il l'a glissé dans ce journal qui était encore un petit peu confidentiel à l'époque, je crois, voilà, qui était d'aborder la neurophénoménologie, c'est-à-dire de façon totalement assumée, l'utilisation des données à la première personne confrontée aux données à la troisième personne pour notamment, en l'occurrence, aborder cette question du hard problem de la conscience, le hard problem of consciousness, qui est comment est-ce que de l'activité neuronale, des neurones, peuvent générer quelque chose qui a l'air d'être d'une nature complètement différente, la conscience. Donc, tout ça a complètement guidé mon travail. J'aurais eu bien envie de m'intéresser aux neurosciences de la méditation à l'époque, mais Francisco me l'avait complètement interdit en me disant, c'est un suicide scientifique. Donc, reste sur l'attention. Puis après, Antoine Lutz est venu 2 ans après moi et lui a eu l'autorisation parce que je pense que Francisco, Francisco avait son foie qui commençait à être vraiment bien, bien abîmé, bien rongé par le cancer. La greffe avait moyennement bien marché. Donc, il a complètement changé d'attitude à cette époque-là. Et c'est-à-dire que son rapport à la science et ce qu'il voulait faire était beaucoup plus radical. Il disait, en fait, c'est ça que je veux faire, tant pis, il n'y a aucun risque, on se lance là-dedans. Donc, c'est à cet instant-là qu'il s'est vraiment engagé pleinement dans la recherche scientifique sur la méditation, sur ses effets. Ce qui a donné lieu à... Enfin, ce qui a eu des conséquences absolument gigantesques qu'on a du mal à réaliser parce que c'est les premières études un petit peu sérieuses vraiment sur la méditation ont commencé là. Ensuite, Richard Davidson a monté son centre aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment devenu une vraie discipline. On a eu le Dalai Lama qui a fait la conférence introductive du Grand Congrès des neurosciences américaines, 40 000 personnes, etc. Donc, il y a eu une sorte d'adhésion, en fait, d'acceptation de la méditation comme un sujet de recherche en soi, ce qui a donné lieu à toute une diffusion finalement de la méditation dans
dans toute la société, voire dans les écoles en ce moment, partout, à toutes les sphères. Donc le point de départ, c'était moi je le situe vraiment à cet engagement de Francisco pour faire une science de la méditation, ce qui était complètement dans son idée de marier cette science à la première personne. Donc j'observe mon esprit en train de fonctionner et je l'étudie par ailleurs. Alors, en ce qui me concerne, j'en suis au bout du temps. C'est bon. Non, il y avait deux. Enfin, ça a donné lieu à deux branches en fait de mon activité de recherche. La première qui était d'essayer de travailler chez l'humain, travailler sur des fonctions cognitives spécifiquement humaines, en tout cas auxquelles on peut avoir un accès conscient, notamment l'attention. Et puis de toujours avoir à côté ou pas loin le sujet pour décrire, pour parler de son expérience personnelle. Alors, on n'a pas eu vraiment le temps de lancer ça avec Francisco. En tout cas, c'était dans l'air. Francisco était beaucoup plus théorie-driven que moi. Moi, j'étais très data-driven. J'aimais bien partir des données et voir ce qu'on peut construire à partir de ça. Francisco, c'était vraiment la théorie. Et puis, les données, on va regarder ce qu'il y a qui colle un peu avec la théorie. Donc, on a eu des petits débats par rapport à ça. Mais en tout cas, donc je suis rentré des États-Unis en définitivement postdoc en 2000, quand je suis rentré au CNRS, avec le projet de constituer une équipe avec Francisco, c'est-à-dire de travailler vraiment à deux, de faire une équipe de recherche. Côte à côte, vraiment, c'était touchant. Je me souviens d'être dans son appartement alors qu'il allait vraiment plus très bien. J'étais sur un petit ordinateur côte à côte en train d'écrire une revue sur le brainwave, la façon dont les communications cérébrales permettent une intégration cognitive et de la cognition de haut niveau. Mais en tout cas, ça, c'était un petit peu le point d'orgue de notre collaboration et c'était aussi un petit peu le point final, puisque donc, l'article est paru en 2001 et qu'il est décédé lui-même donc, il y a 20 ans. Donc, je me suis retrouvé un petit peu orphelin et à la fois, c'est toujours ambigu avec un temps de recul, on peut dire, à la fois extrêmement démuni, parce que sans direction scientifique, sans accompagnement scientifique, sans cette interaction extrêmement riche, il faudra que je vous parle à un moment de ce qu'était l'interaction avec scientifique avec Francisco. C'était vraiment, on sentait vraiment une énergie très forte. Enfin, c'était presque parfois du duel d'arts martiaux. Hein. Et en même temps, le père était un peu mort. Donc aussi, une certaine capacité d'évoluer plus librement dans des directions qui peut-être n'auraient pas forcément plu à Francisco. Notamment de vraiment renforcer ce côté data-driven, de partir des données, et de vraiment voir ce qu'il y a dans les données et d'oublier un peu parfois certaines théories. Donc, ce que j'ai fait de plus fidèle à la neurophénoménologie, me semble, c'était d'aller vers là où d'ailleurs Francisco m'avait orienté, qui était l'enregistrement d'activité chez le patient épileptique. Alors, en quoi ça consiste ? C'est l'obtention de données cérébrales qui sont les plus précises qu'on peut avoir dans le cerveau humain en activité. Donc, il s'agit d'un cas hyper particulier de patients qui sont candidats à une chirurgie de l'épilepsie et qui, pendant une semaine, deux semaines, vont avoir des électrodes dans leur cerveau avec des enregistrements de toutes petites zones cérébrales hyper précises, quelques millimètres, mais qui ont une fonction extrêmement bien précise. Et donc, c'est la seule occasion dans un cerveau humain d'avoir, donc, pour des régions aussi bien définies, aussi bien vraiment précises fonctionnellement, toutes les millisecondes de leur activité. Donc, immédiatement, la possibilité d'avoir un reflet de cette activité en temps réel. Et donc, la possibilité d'avoir une personne qui est confrontée à son activité cérébrale et de lui demander ce que ça fait que d'avoir cette activité. Et donc, d'utiliser aussi le compte-rendu, le témoignage pour comprendre. Donc, il y a un petit film, je ne sais pas s'il marche bien, là, ici. Voilà, en gros, donc c'est l'implantation, c'est le système BrainTV. Système BrainTV, vous avez un patient ici, donc qui a son petit bonnet sur la tête parce qu'il y a ses électrodes qui donnent accès à l'activité électrique. Et puis, derrière, vous avez cet écran qui en fait, représente une activité traitée pour avoir du sens, être très, très facile à interpréter, et qui, pour quatre sites d'enregistrement, va refaire donc cette activité en temps réel, tandis que la personne est en train de jouer. Je vous montre un petit exemple, ça marche bien, s'ils sont, je ne sais pas s'il y a du son. Okay. Je vais me déplacer alors, un petit peu pour vous montrer tout le film parce que ça va vous casser les pieds. Je crois que là, on est pas mal. Voilà, tout simplement, là, cette personne, je vais lui demander, donc elle est en train de faire son petit jeu, et puis je lui demande combien il y a de lettres dans le mot fenêtre, je crois. Et on est dans une des zones, enfin celle qui est montrée en bas à gauche, c'est l'activité d'une région du cortex préfrontal, donc à l'avant du cerveau, qui semble être qu'après, justement, en creusant, on a associé vraiment un effort de concentration, de recherche en mémoire à long terme. Et vous allez avoir s'activer pour voir un petit peu ce que c'est qu'un système BrainTV en live.
C'est en plus une sonification de l'activité. Donc, c'est cette courbe blanche-là. Combien y a-t-il de lettres dans fenêtre ? Elle donne sa réponse. Donc voilà pour le principe. Donc ce que vous voyez, c'est effectivement donc cette activité un petit peu en temps réel. Et là, évidemment, il y a un boulevard pour après juste montrer la courbe à la personne et dire mais on a l'impression que. Ça correspond, est-ce que ça correspond à la concentration ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une image mentale ? Et donc, vous allez pouvoir vous engager dans tout un dialogue avec le patient qui va en fait devenir chercheur lui-même pour dire que, il se parle avec sa petite voix ou non, que c'est quand il y a des images, que plus l'image est belle pour lui, plus l'activité est forte, etc. Et en fait, toutes ces corrélations sont complètement inenvisageables d'un point de vue purement troisième personne. Il faut avoir l'accès à la collaboration avec le patient qui va nous aider parce que cette confrontation des données à première personne et troisième personne ne peut finalement se faire qu'à un seul endroit. Qui est dans le cerveau de ce patient. Enfin, en tout cas, dans son expérience, puisqu'il a accès aux deux, c'est la seule personne, la meilleure personne au monde qui puisse comparer les deux. Donc ça, pour moi, c'est, de mon point de vue, en termes de contribution, c'est ce qui m'a semblé le plus fidèle à l'idée de neurophénoménologie et de tout concilier. Et on voit qu'effectivement, il y a des questions, il y a toute une gamme de problèmes, de questions scientifiques qui ne peuvent être abordées qu'avec cette approche-là double. L'autre aspect, et je vais terminer là-dessus, mais finalement à la réflexion, je crois que vous m'avez demandé de parler aussi de ce que je fais dans les écoles, est complètement relié, complètement dans la même ligne, même si je ne l'avais pas du tout vu comme ça, c'était donc d'arriver à ce que je fais maintenant, qui m'occupe pour moi la moitié de mon temps, qui est de développer un programme d'éducation de l'attention dans les écoles, pour expliquer aux élèves comment fonctionne l'attention, et comment retrouver un peu de maîtrise dessus. Et en fait, pour ça, finalement, on est complètement dans cette idée de ce que je pourrais qualifier d'introspection informée, c'est-à-dire d'appréhender son activité mentale du point de vue de la première personne, mais avec une connaissance des mécanismes qui va guider en fait ce qu'il faut regarder, qui va donner une grille de lecture à ce qu'il faut observer. Je vais aussi prendre deux exemples dans ce programmateur. Le premier qui est d'essayer de doter les enfants d'une certaine capacité à restabiliser leur attention. Pour ça, l'image qu'on prend est celle d'un funambule ou d'un gymnaste qui va traverser une poutre et qui va être soumis à des forces qui vont lui faire perdre son équilibre et qui va réagir très vite pour se restabiliser. Mais finalement, tout ça pourrait être expliqué sous un plan très métaphorique, juste de poutre, etc. Mais c'est beaucoup plus fort quand on leur a expliqué comment fonctionnait le système attentionnel, notamment le système attentionnel dorsal, qui coupe extrêmement finement les déplacements de l'attention et les déplacements du corps, et notamment les déplacements des yeux. Parce que dès que l'attention est attirée, hop, c'est très couplé avec le système de oculomoteur, les yeux vont partir, ce qui va entraîner un déplacement de la tête et du corps. Ce qui fait que donc il y a effectivement la capture de l'attention est très généralement associée à une déviation du corps. Le corps est tout d'un coup dévié de sa posture d'équilibre. Et donc, cette image, cette métaphore de la poutre, est finalement ancrée dans une réalité neurobiologique. Et une fois qu'elle est expliquée, l'enfant peut lui-même aborder son expérience du petit voisin qui fait plein de bruit à côté et qui à chaque fois le dérange. Et puis, 15 fois, l'amène à dévier son regard, sa posture, etc. En disant, je sais ce qui se passe dans mon cerveau, donc je peux observer ça. Ça va retenir une attention particulière de ma part. Et du coup, je vais la prochaine fois. Essayer de remarquer précocement mes yeux qui partent pour contrebalancer à ce niveau-là. Le deuxième point de vue, puis je m'arrêterai là-dessus pour que laisser pas mal de temps à la discussion, c'est au niveau de ce qu'on appelle l'action du circuit de la récompense qui est extrêmement actif et un grand facteur de déstabilisation de l'attention et parfois de stabilisation, notamment pour les plus jeunes. C'est ce circuit qui est dans le cerveau extrêmement sensible à toutes les gratifications immédiates. Donc, dès qu'un téléphone s'allume, les likes, etc., les messages, il tape dans le circuit de la récompense et il incite une redirection de l'attention distraite. Eh bien, là encore, la seule façon de s'en sortir, c'est de remarquer très tôt que ça se produit et de tout de suite réagir. Ce qui demande d'avoir compris un signe avertisseur, qui est que le circuit de la récompense est en train de réagir. Et là encore, on pourrait se baser sur quelque chose de purement phénoménologique,
mais qui serait beaucoup moins intéressant que de l'ancrer dans une réalité biologique. C'est-à-dire de dire, de s'appuyer sur les derniers les papiers assez récents sur une structure qui s'appelle l'insulase, vous avez en rouge ici, une sorte de coquille Saint-Jacques logée à l'intérieur du cerveau, des deux côtés, qui en fait enregistre le bien-être qu'on a ou la satisfaction, l'excitation qu'on a quand on fait quelque chose d'agréable et qui traduit sous forme de sensations corporelles, sensations éventuellement d'excitation ou voire olfactives, même faciales. Et donc, qui est par exemple appliqué dans les phénomènes d'addiction, addiction aux drogues dures, mais addiction en général, pour faire ressentir à l'avance cette sensation corporelle agréable d'envie d'eux, qui vraiment a une manifestation corporelle. Et donc, ça va être le signe qu'on va indiquer aux élèves, aux enfants, en leur disant, ben, voilà, on oriente leur recherche, leur attention justement vers l'intérieur, vers ces signes-là, comme signe avertisseur qui dit, ah tiens, peut-être que je suis en train de perdre le contrôle, donc je reprends. Et l'approche de Francisco est complètement présente parce qu'on aide donc cet aspect très neurosciences et cet aspect première personne. Et à mon avis, elle dépasse et elle va plus loin d'un angle équivalent, ou en tout cas du parallèle, qui serait juste celui de la méditation, qui serait de dire, bah, vous allez plonger votre attention sur le corps, remarquer certaines choses, etc. Parce qu'il y a derrière, il y a une explication, il y a une compréhension, il y a un discours qui est finalement beaucoup plus percutant et beaucoup moins arbitraire. Que celui qui ne bénéficierait pas de cette structure-là. C'est-à-dire que concrètement, on répond à la question de l'élève qui dira « Oui, mais non, chez moi, ça ne marche pas. Chez moi, ce n'est pas vrai. C'est vrai chez tous les autres, mais c'est pas vrai. » Alors, on lui dit bah, « Écoute, si tu as une insula et tu as probablement une insula dans ton cerveau, ça va fonctionner de cette façon-là. » Donc, il y a un caractère universel qui est apporté par les neurosciences. Et à côté de ça, c'est complémenté par cette expression extrêmement directe, incarnée, de ce que ça fait que d'avoir une attention qui est capturée et qui échapperait complètement à une approche qui serait uniquement basée sur les neurosciences. Qui serait théorique, descriptif. Enfin, voilà. Donc voilà, effectivement, en y réfléchissant, je me rends compte que l'approche de Francisco, combinée première, troisième personne, donc vraiment, c'est un aspect de la pensée de Francisco, hein, puisque finalement, qui échappe, qui ne prend pas en compte le topoïèse ou les actions, etc. Quoique, mais finalement, on se ressent beaucoup sur cette neurophénoménologie, mais qui, à mon avis, peut s'incarner complètement jusqu'à un programme d'éducation de l'attention dans les classes. Je m'arrêterai là, je vous remercie vraiment de tout ça. Et puis, voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce que c'était que de vivre avec Francisco ou de fréquenter son labo, c'était vraiment génial. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et merci encore d'organiser cette journée. Ah oui, bah, c'est vrai qu'on va reprendre. Et du coup, on va passer avant la discussion. Vous avez gardé vos questions à la troisième intervention donc de Germain Poisa sur justement si on avance dans cette éducation et cette formation, des exemples et une réflexion dans différentes situations et tout au long de sa vie. Ok, merci de me donner la parole. Vous m'entendez bien ? Tout va bien ? Oui, parfait. Alors, bah, je vais débuter très très vite la présentation. Alors, j'ai pas le talent de storytelling ni la chance d'avoir rencontré Francisco Varela comme les deux présentateurs précédents, mais je vais essayer de vous présenter un peu comment nous on se ressaisit de cette pensée inactive. Et j'ai ajouté phénoménologique et sémiotique sur le titre de la diapositive en formation des adultes. Et la formation des adultes, elle traite autant de la formation sur simulateur que, par exemple, des recherches sur les exercices de crise et leur dimension formative ou encore la formation des agents de terrain, par exemple, dans les centrales nucléaires. Donc, on est très loin, peut-être, des thèmes qu'on a abordés juste avant. Alors, juste pour faire un petit point très, très, très rapide sur ce qui se dit en éducation sur l'inaction, ou en tout cas les recherches qui sont conduites. Ce qu'on pourrait dire très vite, si on fait une rapide revue de la littérature, c'est qu'il y a beaucoup de recherches, mais qu'elles privilégient certaines notions, certaines interprétations relatives à l'inaction, et en général ne prennent pas l'ensemble, ne prennent pas le tout. Alors, par exemple, beaucoup de recherches reviennent sur le caractère incarné de la cognition, en faisant par exemple le lien avec l'action concrète, ça fait référence notamment à Piaget, je vais y revenir tout de suite après, et en faisant par exemple référence aux méthodes actives, c'était plus ou moins un peu sous-entendu dans l'introduction de la journée d'aujourd'hui. Mais on a aussi des recherches qui mettent en lien l'inaction avec la théorie des systèmes complexes et non linéaires. On sait que Varela a beaucoup utilisé ces outils de la dynamique à un moment donné dans son travail.
mais aussi aux approches écologiques qui sont issues des travaux de Gibson ou d'autres approches. Donc il y a beaucoup de recherches, elles font des liens avec d'autres approches et privilégient souvent certaines notions. Et puis, petit clin d'œil à la présentation qui va suivre après dans la deuxième table ronde. Évidemment, on pourrait considérer que Piaget était un peu pré-inactif dans ce qu'il a proposé, tout en étant un pré-inactif contrarié. C'est-à-dire que c'est une source d'inspiration pour Varela, Piaget, notamment l'idée que les structures cognitives émergent des boucles sensorimotrices. Mais il y a eu aussi beaucoup de critiques sur peut-être le deuxième Piaget, celui plutôt de la théorie de l'intelligence, où il revenait d'une certaine manière à une forme d'objectivisme et un sujet préexistant face à un monde préexistant. Je vous ai mis une citation en bas du livre de Varela, Thompson et Roche, où ils reviennent sur un petit peu les doutes de Piaget, ou en tout cas les hésitations, d'après eux, concernant un petit peu ces questions-là. Donc ça, c'est juste un petit clin d'œil pour dire que quand même, ça s'inscrit aussi dans une tradition et dans des recherches qui ont précédé aussi l'œuvre de Varela. Alors, si on fait, cette fois-ci, toujours sur cette littérature, un regard un petit peu critique, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, l'inaction amène un renouvellement conceptuel intéressant. Ça produit des recherches intéressantes dans le champ de l'éducation, mais beaucoup de recherches ne font pas le lien entre les hypothèses ontologiques et les répercussions épistémologiques. En gros, tout ce qui est en termes d'hypothèses sur ce qu'est le monde sont repris par beaucoup de recherches en éducation, mais les hypothèses de connaissance, les hypothèses méthodologiques qui sont associées, dont par exemple ce dont vient de parler Jean-Philippe sur les neurosciences phénoménologiques ou l'accès à l'expérience, sont beaucoup moins pris en compte sérieusement par les recherches en éducation qui mobilisent l'inaction. Et puis, très peu de recherches aussi en éducation vont jusqu'à proposer un programme de recherche en éducation. Là encore, d'une certaine manière, Jean-Philippe, ce qu'il propose dans les écoles, fait peut-être exception avec d'autres recherches dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on va d'hypothèses ontologiques jusqu'à des méthodologies spécifiques d'études et jusqu'à la proposition d'un programme de recherche en éducation qui est précisé par tout ce travail. C'est un petit peu ce que nous aussi on cherche à faire à l'Université de Genève en formation des adultes. On cherche à structurer un véritable programme de recherche autour de ces hypothèses de l'inaction. Donc on essaye de proposer une approche inactive, phénoménologique et sémiotique de l'activité et de l'apprentissage-développement en nous basant non seulement sur les travaux de Francisco Varela, mais aussi sur les reprises de ces travaux-là par Jacques Thoreau qu'on entendra dans la deuxième table ronde. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on propose de faire en essayant d'articuler les questions épistémologiques et ontologiques, c'est-à-dire que le type de recueil de données, le type d'analyse qu'on va faire, les observatoires qu'on va monter, des situations éducatives vont être dérivés aussi des hypothèses de l'inaction et vont notamment prendre au sérieux la question de l'expérience vécue, de l'expérience immédiate. On va notamment mobiliser la notion de conscience pré-réflexive pour essayer de documenter un petit peu ces questions-là. Et puis, on va aller jusqu'à une ingénierie des situations de formation basée sur une technologie éducative inactive, on va dire, ou un design inactif. On va se poser la question de si on prend au sérieux les hypothèses de l'inaction, l'hypothèse de l'autopoïèse, la question du couplage asymétrique, ben, qu'est-ce que ça signifie dans des situations d'éducation, non seulement pour le face-à-face formateur formé, mais aussi en termes de conception. Est-ce qu'on peut prétendre par la conception transformer des situations vécues par les individus ou leur activité? Donc on va se poser la question du design inactif. Je laisse la troisième case un petit peu vide ici, c'est que derrière il y a aussi des questions éthiques en termes d'éducation et peut-être des visions un peu plus générales sur une éthique inactive qu'on pourrait développer aussi dans les situations de formation. Alors, les hypothèses qu'on fait, nous, dans le cadre de notre programme de recherche à Genève, suivent, je l'ai dit, certaines hypothèses qui sont proposées par Jacques Thoreau, c'est-à-dire qu'on considère l'activité humaine, ce que font les gens en situation, pour le dire de manière très très simple,
comme une totalité autonome, autoconstructive et vulnérable. On pourrait dire comme une inaction d'une certaine manière ou comme un couplage acteur-environnement avec à la fois son caractère d'autonomie, mais aussi son caractère de vulnérabilité, de précarité perpétuelle qui fait justement qu'il y a des processus d'autoconstruction qui sont là. On considère évidemment que cette activité est incarnée, incorporée, qu'elle donne lieu à des dimensions sensorimotrices, à la question de la sensibilité, mais aussi à des émotions, évidemment, qu'elle est située dans un environnement spatial, temporel, matériel, culturel et social. Peut-être qu'un des points intéressants aussi ici, c'est qu'on prend en compte le caractère constitutif et constituant de la technique et son rôle dans le couplage entre l'acteur et la situation. Je vais très très vite, hein, je m'excuse, je vois bien que je cours un petit peu là, dans cette présentation, mais on considère aussi que l'activité, c'est une sémiose permanente, c'est une construction de signification permanente. Donc l'activité, finalement, c'est un enchaînement de signification en lien avec la notion de sense-making qu'on retrouve aussi dans les théories de Maturana et Varela. Et puis enfin, on considère que l'activité humaine va de pair avec une expérience, c'est-à-dire que toute activité humaine, que ce soit votre activité quotidienne ou une activité de travail ou une activité de formation, s'accompagne d'une expérience immédiate, d'un point de vue en première personne, et qu'on essaye d'aborder avec la notion de conscience réflexive qu'on emprunte à Sartre, plutôt que la notion de conscience préréfléchie qu'on retrouve aussi peut-être chez Husserl et plus spécifiquement dans certains travaux dans le domaine de l'inaction. Alors, pourquoi on aborde cette question de l'activité? Peut-être c'est quelque chose que j'aime bien expliquer quand même. En tout cas, on considère que la notion d'activité, elle a un double intérêt, à la fois pour les sciences de l'éducation, et notamment en formation des adultes. Beaucoup de recherches portent sur l'apprentissage et le développement, sur des processus. Et d'une certaine manière, les chercheurs se mettent de côté la question du contenu, c'est-à-dire à quoi on forme. Et il nous semble intéressant, nous, en formation des adultes, de s'intéresser à l'activité des individus, très précisément, et de former avec, comme perspective, la transformation de cette activité. Ce qui nous oblige non seulement à nous intéresser à des processus, mais aussi, surtout, à des contenus de formation, et de ne pas délaisser cette question des contenus de formation en éducation. Et puis, pour les sciences cognitives aussi, la notion d'activité nous semble avoir de l'intérêt, parce qu'elle évite aussi de se limiter à des processus, là encore. Elle permet d'aborder un petit peu ce qu'on appelle la cognition in practice, en ne découpant pas les processus cognitifs de dimensions culturelles, sociales, technologiques, techniques qu'on pourrait avoir. Donc elle nous semble intéressante, cette notion d'activité, d'une certaine manière aussi, par exemple, pour revivifier l'anthropologie cognitive, des approches de ce type-là qui ont eu une période de succès en sciences cognitives, mais qui sont un petit peu retombées aujourd'hui dans l'outil. Dernier intérêt de la notion d'activité, je le dis très, très vite, c'est pour la transdisciplinarité, c'est-à-dire que c'est une notion qui peut être abordée par différentes disciplines et d'une certaine manière qui est relativement indisciplinée, c'est-à-dire qui s'émancipe de la question disciplinaire. Ce n'est pas une notion de la psychologie, de la sociologie, des sciences, des organisations ou des neurosciences. C'est une notion qui permet, d'une certaine manière, de traverser un petit peu cette discipline. Voilà. C'est pour ça qu'elle nous intéresse particulièrement. Alors, quand on passe sur la question de l'apprentissage-développement, quelle est la conséquence, d'une certaine manière, un, de s'intéresser à l'activité, et deux, d'avoir une approche inactive de l'activité, c'est-à-dire de considérer que l'activité est un couplage entre l'acteur et la situation, ben ça nous pose une question assez forte, il me semble, en termes d'éducation, et ça amène à faire l'hypothèse, d'une certaine manière, que l'apprentissage-développement est inhérent à l'activité. Si l'activité est autonome, si l'activité est un couplage, et si on peut l'aborder de manière inactive, d'une certaine manière, l'activité est une autoconstruction permanente, autoréférencée, et donc l'apprentissage-développement est inhérent et indissociable de l'activité, d'une certaine manière. Donc, l'apprentissage, ce n'est pas une action. Souvent, on oppose apprentissage et enseignement. On dit que c'est le couple apprentissage-enseignement. Mais en réalité, l'apprentissage n'est pas une action,
et n'est pas une activité, n'est même pas un processus, on pourrait dire, si on radicalise un peu la position, c'est-à-dire que c'est l'activité qui s'auto-transforme et qui se transforme de manière perpétuelle, et ça permet de repenser un petit peu la manière dont on positionne la question de l'apprentissage. On pourrait dire qu'étudier est une activité ou une action, mais l'apprentissage n'est pas une action ou une activité. Deuxième chose aussi intéressante, il me semble, avec la question du couplage, c'est qu'évidemment, si on prend au sérieux les hypothèses inactives, ben, la personne, l'individu connaissant et le monde connu se transforment perpétuellement. Et donc, on rompt un peu avec une forme d'objectivisme aussi ici. Il y a une relation de réciprocité qui peut interroger en sciences de l'éducation, qui peut interroger les éducateurs, qui peut nous amener à repenser peut-être certaines manières d'enseigner ou certaines manières de penser l'enseignement. Dernière chose, peut-être ce que j'essaye en voyant en bleu, c'est des redéfinitions de la notion d'apprentissage-développement un petit peu au prisme de l'inaction. On pourrait dire finalement que l'apprentissage-développement, c'est une extension d'un espace de viabilité pour le système ou d'un espace de viabilité pour l'activité. Si on reprend un peu l'idée de précarité, le fait que l'activité doit essayer de se maintenir d'une certaine manière en relation avec l'inaction. Donc, tout ça nous amène d'une certaine manière à essayer de redéfinir un peu ces questions d'apprentissage de l'eau. Et donc, on peut dire que, là encore, on peut chercher, si on continue à poursuivre un peu cet essai hein, de redéfinition de la question de l'apprentissage-développement qu'on essaie de faire dans mon équipe avec différents chercheurs, on pourrait dire que l'apprentissage-développement, finalement, c'est une évolution du couplage entre l'acteur et le monde. Et donc, il y a une forme de déplacement de la frontière entre le corps de l'acteur et le monde. Si on reprend le schéma qui était juste avant, je fais référence ici aussi à beaucoup de travaux qui ont été conduits à Compiègne sur la question de la suppléance perceptive. J'ai cité là Olivier Gapen, mais j'aurais pu citer Charles Lenay ou d'autres chercheurs qui se sont intéressés un peu à la suppléance sur la base des travaux de Bachirita, avec l'idée aussi que, par exemple, les objets techniques de suppléance perceptive circulent du monde propre au corps propre de l'acteur dans un processus d'appropriation qui parfois nous fait rend transparent le dispositif technique. Et d'une certaine manière, on peut penser l'apprentissage de cette manière-là. L'apprentissage, c'est quelque chose qui va naviguer un objet, peut-être un objet de savoir ou un objet technique, qui va naviguer, qui va évoluer dans le couplage, qui va se déplacer dans le couplage, et dont la frontière va se transformer d'une certaine manière avec ces processus d'appropriation et de transparence qui vont être à l'œuvre. Deux autres choses, je vous mets ça sans mettre le son très rapidement, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Ça nous pose aussi la question, quand on est en éducation, du sujet, évidemment, puisque la question du sujet est une question importante, et notamment dans toutes les théories du développement. Et ce que nous apporte l'inaction, c'est une manière de repenser un petit peu l'individu ou le sujet, puisqu'il ne s'agit pas de poser un sujet qui préexiste avant d'agir et qui affine son identité, mais un processus d'autoconstruction permanente, un couplage, et le sujet n'existe pas avant même son couplage avec l'environnement, d'une certaine manière. Et donc, on est obligé de partir, de changer un petit peu de point de repère. Le point de repère, du coup, de l'éducation n'est plus le sujet ou l'individu, avec des logiques d'assimilation-accommodation ou avec des logiques d'intériorisation-extériorisation. Mais le point de départ devient un flux, un mouvement, ce que nous, on appelle une individuation. Donc, le point de départ, c'est plutôt l'idée d'une individuation qui est première. Et sur ce processus d'individuation perpétuelle, là, on reprend un chercheur qui s'appelle Simondon, il y a éventuellement des phases de l'être qu'on considère, qu'on arrive à déterminer comme un individu. Là, je vous ai mis une petite photo. On voit bien que, finalement, on se transforme de manière perpétuelle, même si on n'en a pas nécessairement conscience, même si on découvre parfois cette individuation quand on regarde une photographie. On regarde une vieille photo de nous et puis on se fait « Ouh là là, j'ai vieilli !» d'une certaine manière. Et on se rend compte qu'on a vieilli, mais en réalité,
on est du vieillir, on est perpétuellement du vieillir, on est perpétuellement en transformation et on est perpétuellement sur une trajectoire de transformation qui nous accompagne. Donc ça permet aussi peut-être de repenser certaines théories en matière d'apprentissage-développement, ou en tout cas de les re-questionner un petit peu au regard de ces notions-là. Dernière peut-être chose sur ces questions d'apprentissage-développement, là j'ai repris quelque chose de très classique, très connu hein, sur les travaux de Varela, c'est d'en connaître les sciences cognitives, donc où il essaye de mettre en parallèle hein, par un jeu de questions les approches plutôt computationnelles, représentationnalistes, basées sur le traitement de l'information, et puis son alternative proposée, hein, une approche plus inactive, avec l'idée de couplage, l'idée de monde propre, et autres. On a une opposition assez claire qui est proposée dans cet ouvrage-là sur ces deux modèles-là. Et d'une certaine manière, on pourrait réutiliser cette opposition-là pour penser aussi l'apprentissage. J'ai repris là les travaux d'une chercheuse, Anne de Jaeger, qui revient un peu sur le fait que finalement, les neurosciences se sont beaucoup intéressées à la cognition qu'elle appelle computationnelle, c'est-à-dire abstraite, logique, à toutes ces manières de penser qui sont abstraites, logiques, basées sur les symboles, la computation, sur le langage. Et finalement, les recherches se sont beaucoup intéressées à ces modes de connaissance-là, qui sont très importants, fondamentaux, avec par exemple la prise de décision, la planification. Voilà. Mais d'une certaine manière, ce sur quoi nous interpelle aussi Varela, d'une certaine manière, c'est qu'il y a d'autres modalités de connaissance du monde qui sont beaucoup moins étudiées et qui, pour autant, ne sont pas moins sophistiquées. Et ce que propose, par exemple, Anne Jaeger, c'est de dire l'amour, être amoureux, c'est une manière, par exemple, de connaître l'autre, beaucoup moins bien étudiée, mais qui est pourtant aussi une manière de connaître, qui n'est pas basée sur quelque chose de logique, d'abstrait, de computationnel, basé sur les symboles ou des choses comme ça. Et donc, ce à quoi nous encourage aussi l'inaction, c'est d'aller voir la diversité des manières de connaître le monde et de se dire qu'il y a beaucoup de manières de connaître le monde différentes, peut-être plus engagées, plus incorporées, plus basées sur des sensibilités à, mais il y a une diversité de connaissances. Et c'est ce à quoi on s'intéresse un petit peu à Genève, aussi en termes d'apprentissage développé. Ça m'amène aussi à préciser une chose, c'est-à-dire qu'on considère aussi chez nous dans notre travail que l'apprentissage développement, c'est une extension de la sémiose. On pourrait définir finalement l'apprentissage et le développement comme cette extension de la sémiose, mais à condition d'abandonner les idées reçues qu'on a sur ce que c'est que se représenter le monde, de ne pas considérer qu'une représentation est nécessairement conventionnelle, linguistique ou symbolique, mais qu'il y a d'autres formes de représentation. Et là, je fais référence notamment aux travaux de Peirce, qui a beaucoup montré qu'il y avait aussi d'autres modalités. Il n'y avait pas que les symboles, mais il y avait potentiellement les icônes aussi, qui sont des modalités intéressantes pour comprendre le monde, les métaphores, les analogies, et tout un ensemble d'autres manières de connaître le monde qui ne sont pas forcément sur un registre symbolique et donc qui vont nous intéresser aussi plus particulièrement. Et donc, j'arrive un petit peu à ce que l'on fait, nous, à Genève, hein, en formation des adultes, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'intéresser à toutes ces autres manières de connaître le monde en mobilisant des concepts qui ne sont peut-être pas très traditionnels hein, en formation des adultes. Peut-être qu'on est une petite île au milieu d'un mainstream et on se débat un peu comme on peut, mais on s'intéresse à toutes ces manières-là de connaître le monde et pour nous c'est très directement lié à nos présupposés inactifs. Donc on va s'intéresser aux abductions comme modalité de connaissance du monde hein, qui ne sont pas forcément basées sur des relations formelles, symboliques. On va s'intéresser à la métaphorisation, on va s'intéresser par exemple dans l'usage de la réalité virtuelle à tous les processus de reenactment, c'est-à-dire quand le passé va redevenir présent aux gens et comment ça va s'opérer. On va s'intéresser à des expériences qu'on appelle mimétiques, qui sont des expériences doubles en simulation aussi qu'on retrouve. C'est le fait de se rendre compte que la simulation, ce n'est pas son travail,
mais ce n'est pas complètement pas son travail. Vous voyez le jeu de la double négation qui renvoie à cette expérience mimétique. Quand on est en simulation, quand on se forme en simulation, on sait que ce n'est pas son travail. Mais en même temps, l'expérience vécue qu'on en a, c'est que ce n'est pas complètement pas son travail. Et donc, on est dans une expérience qui est très ambiguë, double, complexe, où il y a des préoccupations multiples qui s'articulent. Et on n'est pas dans un processus immersif simple, d'une certaine manière. On est plutôt dans une expérience double de ce type-là. Et puis, on va s'intéresser à des processus de typicalisation sur la base des travaux de Roche, par exemple, hein, qui avait créé avec Varela et Thompson, sur la question de la sensibilité A, qui peut sans doute se rapprocher de la question de l'attention qui a été abordée juste avant, mais aussi à des processus de construction de consensualité. Je fais attention au temps. Alors, qu'est-ce que ça apporte, par exemple, moi, il me semble, la question de l'inaction, ça permet de revoir des approches qui ont un petit peu le vent en poupe, comme par exemple le workplace learning hein, en formation des adultes, en réincorporant l'apprentissage expérientiel. Hein, les modèles dominants sur l'apprentissage expérientiel sont basés sur un cycle de Kolb très classique, mais l'inaction, par exemple, interroge sur comment on pourrait réincarner cette question de l'apprentissage expérientiel. Qu'est-ce que c'est qu'une réflexion, si on revient à des choses qui avaient été travaillées par Piaget. Ça va permettre de réindexer l'activité réflexive à cette expérience immédiate. Quand on parle de réflexivité, de praticien réflexif ou de choses de ce type-là, ben sans doute qu'il faut réindexer ces questions-là à la question de l'expérience vécue. On peut évidemment, avec l'inaction, revisiter ou rediscuter la question de l'affordance, qui est aussi présente dans ces courants-là, par exemple, de l'apprentissage sur la place de travail. Ça permet aussi de reconceptualiser des approches très classiques en éducation, comme la question de l'apprentissage comme une participation à une communauté de pratique, hein, qu'on retrouve par exemple dans l'apprentissage situé. L'inaction, elle amène des notions nouvelles pour essayer de réfléchir à ça. Hein. Et quand je dis l'inaction, c'est les travaux relativement récents. Hein. Je pense par exemple aux travaux de Di Paolo, de Jagger sur la construction de sciences participatives, sur les questions d'appropriation, sur la reprise de la notion de chair au monde de Merleau-Ponty aussi, qui est intéressante pour essayer de comprendre ce que c'est que l'apprentissage collectif et de penser la place d'autrui dans le couplage acteur-environnement. Hein. On sait très bien que la question du passage de la notion d'inaction à la question de l'autopoïèse sociale est une question sujette à débat. En tout cas, la place d'autrui, la question de la cognition sociale est vraiment l'objet de beaucoup de travaux actuellement sur la base des travaux de Varela. Et de la même manière, on peut aller même jusqu'à se poser la question des organisations apprenantes en réfléchissant à ce que c'est une organisation d'un point de vue inactif. Comment on peut donner, d'une certaine manière, une définition un peu inactive de la question de l'organisation et de l'apprentissage dans les organisations. Alors, la dernière peut-être chose sur laquelle je vais insister, c'est les questions de conception un petit peu. C'est-à-dire que, évidemment, quand on fait comme nous l'hypothèse de l'inaction, de l'autonomie, ça pose une question quand on est éducateur, ça nous met dans un paradoxe, c'est-à-dire que comment je peux prétendre en tant que formateur transformer l'activité d'autrui que je considère comme autonome. Si je considère que c'est un couplage, quelque chose qui se forme de l'intérieur, du dedans, que c'est d'une certaine manière le système qui détermine ce qui est pertinent pour lui en termes de transformation, et ben le formateur d'une certaine manière est un petit peu démuni. Il ne va pas avoir d'action directe, de transformation directe sur autrui. Et donc, il faut imaginer un nouveau modus operandi, une nouvelle manière de transformer les situations, de transformer autrui ou de penser son rôle de formateur. Et donc, le principe que nous, on développe à Genève, c'est un principe très simple, hein, finalement, d'une certaine manière, mais c'est un principe d'action indirecte. C'est-à-dire que pour nous, la conséquence de l'inaction en termes de formation, en termes d'activité du formateur, c'est que le formateur ne peut agir qu'indirectement sur l'environnement et espérer, d'une certaine manière, que les transformations de l'environnement seront appropriées par les formés et qu'elles produiront des transformations majorantes, si on reprend le terme
de transformation majorante de Piaget. Mais d'une certaine manière, Marc Durand, qui travaillait avec moi à Genève avant et qui a beaucoup avancé dans ces travaux-là, utilisait une formule qui me semble très marquante, une métaphore qui était utilisée par les informaticiens quand les Mac, les premiers Mac existaient et qu'on parlait du plug and play. On disait, enfin, les informaticiens ont détourné cette notion du plug and play en disant plug and pray, avec l'idée qu'on branche et on prie pour être sûr que ça marche. On pourrait dire que le formateur, il est un petit peu dans la même position. Il transforme indirectement l'environnement et il va se mettre à prier pour que cette transformation soit appropriée par les formés et que ça produise les transformations espérées. Mais on peut être que dans cette position-là, d'une certaine manière, si on adopte les positions inactives. On va être dans une impossibilité de prescrire des transformations. Par contre, on va être plutôt dans une dynamique de produire des micro-perturbations dans l'environnement qui vont potentiellement être ressaisies par les acteurs dans une dynamique de transformation qui leur sont propres. Donc, le rôle du formateur, c'est peupler l'environnement de micro-perturbations ou de macro-perturbations. On peut jouer un peu sur l'intensité de ces perturbations pour essayer de transformer l'activité des acteurs. Là, j'ai repris un autre auteur qui n'a rien à voir évidemment avec l'inaction, mais qui est très intéressant, me semble-t-il, et très compatible. C'est Audry Court, qui parlait, lui, d'action directe positive et d'action indirecte négative. Et il comparait des aires géographiques dans le monde en disant qu'il y avait l'Occident et le Moyen-Orient qui avaient un rapport plutôt pastoral au monde, et aux personnes et aux choses. Et puis, l'Extrême-Orient et l'Océanie qui avaient plutôt un rapport horticole aux choses, aux êtres et aux bêtes. On retrouve un peu, évidemment, le bouddhisme derrière qui peut aussi apparaître d'une certaine manière. Et ce que disait Audry Court, c'est que l'action indirecte négative était une action intéressante, et là, ça recoupe avec l'inaction, mais ça ne veut pas dire ne rien faire. Et ça, c'est une chose qui me semble intéressante, c'est-à-dire que si vous voulez faire des beaux jardins comme vous avez sur la droite de la diapositive, soit vous avez des jardins à la française où vous allez couper, tailler, donc c'est une action directe positive, soit vous allez avoir les jardins plutôt japonais, où pour avoir des petites plantes, ben vous allez plutôt les entourer d'autres plantes et mettre les conditions pour que les plantes naines existent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, mais vous allez avoir une action indirecte pour avoir des plantes naines et négatives, ce qui me semble une bonne manière de comprendre la manière dont nous, on pense aussi la formation aujourd'hui avec cette métaphore-là. Je vais passer là-dessus, ça va aller très vite. Et donc, je finis juste sur ces deux points-là. On va développer dans le cadre de nos recherches à Genève différentes conceptions de la formation, certaines qui vont être très curriculaires, c'est-à-dire avec l'idée d'une progressivité, mais on va essayer de penser des curriculums ou ce qu'on appelle parfois des référentiels de formation, non pas en termes de savoir, non pas en termes de compétences, mais en termes de couplage, et donc en termes de situation. En tout cas, c'est la direction qu'on essaye de prendre, c'est-à-dire de penser, quand on a des formations curriculaires à faire, progressives, traditionnelles, on pourrait dire, de les penser en termes de couplage, acteur-situation, et non pas en termes de connaissances, et non pas en termes de compétences, ce qui parfois renvoie à quelque chose qui est détenu par le sujet. Ce qui nous permet peut-être parfois de repenser un petit peu certaines manières de former. Et on va aussi essayer de faire ces curriculums en termes d'expérience type, ce qui renvoie à la question du point de vue en première personne, qui est fondamentale dans les approches unitaires. Lorsqu'on a des formations qu'on appelle non curriculaires, événementielles, par exemple quand on va former des équipes de secours ou qu'on se pose la question des simulations dans la gestion de crise, on va adopter une approche qui est une approche de la perturbation que j'ai évoqué juste avant, c'est-à-dire que former, finalement, ça va être concevoir des perturbations dans l'environnement qui produisent des transformations, celles qui sont espérées,
avec une forme de non-proportionnalité. Hein. C'est peut-être une petite transformation, une petite perturbation qui va créer une énorme transformation dans l'activité des professionnels. Et donc, il y a une logique comme ça de non-linéarité dans ce qu'on propose. Je vous ai mis une petite vidéo que j'utilise des fois en cours. Hein. C'est sur la métastabilité ou la surfusion de l'eau. On voit qu'un petit choc produit une transformation de la nature et peut transformer l'eau en glace. C'est-à-dire que lorsque l'eau est dans un état de métastabilité, un choc en la tapant sur la table va changer d'état, va faire une bascule de phase, une transition de phase, si on reprend les termes des approches dynamiques. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire aussi, nous, en formation à Genève, c'est-à-dire créer les conditions d'une métastabilité dans l'activité des gens et en formation, leur proposer une transformation, un choc, une perturbation qui va leur faire changer de monde, à presque vivre un épisode cosmologique, si on reprend des termes qui ne sont pas forcément les termes classiques qu'on utilise. Donc, c'est une manière de voir la formation avec une ingénierie de la perturbation un peu particulière. Donc, c'est des choses qu'on fait, par exemple, avec la formation à la gestion de crise, quand on veut former à des catastrophes comme des accidents de centrales nucléaires ou des attentats massifs, ou la question de la perturbation en formation est une question qui peut être intéressante. Je vous passe les principes de conception, hein, mais on essaye de lister dans notre équipe des principes de conception. C'est la colonne que vous voyez à gauche, hein, principe d'action indirecte, principe de proscription, principe de non-proportionnalité, de perturbation. C'est-à-dire que d'une certaine manière, à partir de l'inaction, on essaye de formuler des principes de conception qui vont guider les formateurs dans leur travail de conception de formation et d'ancrage, d'une certaine manière, dans des dimensions, dans la question de l'autonomie, dans la question de l'expérience, dans la question du caractère incarné de l'expérience, et ainsi de suite. Dernière diapo, je finis avec ça, c'est la dimension éthique. Ça conclut, hein, il me semble que c'est un débat qui a eu très récemment dans une journée à Cerisy, qui ouvrait aussi un colloque sur Barella. Un débat qui a été amené par Tom Frost, que je trouve intéressant et qui rejoint des préoccupations qu'on a à Genève. Il reprend des définitions un peu qu'on fait des systèmes autonomes ou autopoétiques en disant que ça renvoie souvent à la question du fait que c'est une approche concernée, une perspective concernée d'une certaine manière. En tout cas, le système détermine les perturbations qui sont pertinentes pour lui. Ça ouvre pour moi sur la question du care en éducation aussi, qui me semble être une question éthique et importante en éducation. Et il me semble que l'inaction ouvre sur la question du prendre soin, non seulement d'autrui, mais aussi du monde. Permettre de revisiter aussi ces questions du care et penser une éducation du care en lien avec les questions d'attention, d'éducation attentive et attentionnée, les travaux de Citon, Stigler, Fleury ou d'autres qui me semblent pertinents par rapport à ça. Et donc sans doute qu'on aurait à penser, en travaillant un peu plus sur la question du couplage social ou du couplage de troisième ordre, aussi à cette question du care et ne pas penser simplement le couplage individu-environnement de manière classique. Enfin, voilà, je finis très très vite. Pardon. Merci, j'en ai terminé. C'était un petit peu trop long, sans doute. Merci beaucoup pour cette intervention. Et nous allons passer à une minute de débat. Vous avez des remarques. Moi, je suis marqué par les connexions entre la pensée de Varela et vos présentations respectives, et en particulier tout ce qui est réflexivité, rétroaction, et pour le coup éthique et politique. Roberto nous parlait de sujets plus politiques et voire géopolitiques. Et quelque part, tu remontais à Héraclite il faut. On a la menace que ça s'est fait. Voilà, merci. C'est inactif. C'est inactif. et donc, cette capacité à penser les rétroactions à toutes les échelles,
de l'échelle très personnelle que tu nous as montrée à l'échelle interactionnelle dont Germain parle, à l'échelle politique et géopolitique dont Roberto parle, cette capacité à développer ces réflectivités quasi fractales, en fait, multidimensionnelles en tout cas. Et j'ai l'impression qu'en particulier dans la crise, non seulement pandémique, mais aussi climatique, environnementale, dans laquelle on est aujourd'hui, ce besoin de réflexivité multi-échelle et de réflexion sur nos éthiques individuelles et nos éthiques collectives, voire civilisationnelles, deviennent toujours plus nécessaires. Et quelque part, ça me semble être en droite ligne de ce que vous avez dit les uns et les autres et de ce que Varela nous a apporté et à quel point il nous manque aujourd'hui, quoi. Si je peux, bien sûr. Je suis complètement d'accord. Je trouve des points intéressants. Donc, dans le mot même de autopoyer, c'est l'auto-création. Et donc, je voudrais garder en tête ce mot de création. Donc, il y a quelque part un environnement et ensuite un système autopoyétique. Et c'est dans leur interaction qu'il y a un monde qui est énacté. Donc, il n'y a pas de représentation que nous, on devrait apprendre. J'aimerais bien un peu avoir vos... On a beaucoup entendu parler de apprendre, éduquer, former. Est-ce que c'est des concepts qui sont plus compatibles avec une idée où il y a un monde à représenter et des êtres, et les enfants à l'école, par exemple, qui doivent apprendre ces représentations qui existent déjà, mais qui sont elles-mêmes impossibles de changer, ou est-ce qu'il faut parler de création à nouveau chaque fois, comme le dit Héraclite, non, le soleil, il reste le même en changeant. Donc, il n'y a pas un plan de formation, il n'y a pas à éduquer, à un être autopoïétique, à apprendre ses représentations, il n'y a pas à les apprendre. Et du point de vue de l'éducation, je pense un peu dans la même veine de ces références historiques, il y a les travaux de Paulo Freire qui est qui pensait la pédagogie critique. Il a un livre qui s'appelle La pédagogie des opprimés. Donc c'est quelque part cette pédagogie qui est enforcée, enfin qui est mise sur les gens pour qu'il faut qu'ils apprennent le contenu qui sont dans l'indice des livres. Il n'y a pas la création, il n'y a pas des nouvelles manières de trouver un couplage avec l'environnement. C'est l'apprentissage, c'est l'éducation, c'est la formation. Et c'est un peu aussi différent quand on voyait le système que Stafford Beer ou Fernando Flores avaient proposé pour ce système nerveux du Chili. C'était, il n'y avait pas, et on ne disait pas aux Chiliens, il faut que le GDP monte. C'était juste, vous avez toutes les variables, créer un truc, quoi. Donc, c'est plus la création que l'apprentissage. Est-ce qu'il y a une manière de penser et ce qu'on a l'habitude de décrire par apprentissage, éducation, en termes de création? Je pensais, une autre image, après je vais finir, je ne vais pas prendre toute la parole. Et vous avez peut-être en tête ces robots de Boston Dynamics qui dansent. Qui danse super bien, d'ailleurs. C'est assez étonnant. Et imaginez l'inaction comme si c'était une danse entre deux personnes et ils ne savent pas quelle est la danse, ils ne se connaissent pas. Ils doivent créer entre les deux la danse. Maintenant, imaginez que vous avez à danser avec un robot de Boston Dynamics. Okay? Donc, si vous ne suivez pas, vous prenez un gros bras de robot de Boston Dynamics dans la bouche. Okay? Donc, c'est un peu mon idée. Donc, il faut apprendre à danser avec le robot, il y a une formation. À la fin, soit on est mort, soit on a appris à danser avec le robot, mais le robot, il ne va pas changer. Le prof, il ne va pas changer. Le programme de l'enseignement national ne va pas changer parce qu'un enfant a trouvé une nouvelle manière de faire la somme des numéros entre 1 et 100. Donc, il y a une manière de le faire. Soit ils l'apprennent vite, soit ils l'apprennent lentement, soit ils redoublent, etc. Et je pense que c'est très, très lié. Donc, autopoyer, c'est auto-création, c'est l'inaction d'un monde, pas l'apprentissage de représentation, mais l'invention à chaque fois de nouvelles manières d'être. Rapidement, je vois bien un lien avec le fondement bouddhiste de Francisco, ou justement avec cette discipline sur l'attention pour l'élargir et pour constater les relations entre les choses distantes. Et repérer des patterns, etc. Et après s'inclure dans l'équation.
C'est-à-dire comment est-ce que mon action à moi peut avoir un effet sur des choses plus globales que simplement immédiatement ma tasse de thé, ma tasse de café ou mon petit problème, cette espèce d'ouverture. Et là, on est complètement dans cette idée de percevoir directement, hein, de façon intuitive, hein, pré-réfléchie, ce couplage entre soi-même et le monde, la façon dont on construit le monde autour de soi et sa propre expérience. Et du coup, ça donne une éthique de comportement. C'est-à-dire dans quelle direction aller, comment se comporter maintenant pour respecter ce couplage et pour peut-être participer à une évolution dans une direction qui est plutôt favorable par rapport à justement les aspects environnementaux, etc. Donc là, Francisco, à mon avis, il s'ancrait complètement là-dedans et voilà. Je réagis très très vite à différentes choses. Je pense effectivement sur la première question, je pense effectivement qu'il y a un intérêt à avoir des analyses multiniveaux de l'activité, du monde dans lequel on vit, en essayant de tenir ces présupposés inactifs, ou en tout cas en essayant de tirer à chaque niveau d'analyse les conséquences de l'inaction. Hein, c'est ce que j'ai essayé de dire très très vite en parlant des organisations apprenantes, c'est-à-dire que si on considère que l'activité des individus et des collectifs selon des hypothèses inactives, ça nous amène à peut-être repenser les hypothèses ou les modèles qu'on a sur ce que c'est qu'une organisation, ce que c'est que la culture, on peut même aller jusque-là, et donc on peut proposer après des analyses un peu multiniveaux en essayant, en partant des hypothèses inactives sur l'activité individuelle et collective, de dire ce que ça signifie en termes de conception de la culture, enfin tous les travaux qui actuellement, toutes les remises en cause qu'il y a sur nature-culture, il me semble que c'est en anthropologie, sont assez proches. Hein, si on prend les travaux d'Ingold, par exemple, en anthropologie écologique, il y a des choses qui sont très, très proches aussi des travaux inactifs. Donc, il y a un intérêt à avoir des approches un peu multiniveaux comme ça de l'activité, du monde. Enfin, je dis des choses que peut-être Jacques Thoreau dira tout à l'heure. Je voulais dire autre chose, dans une logique de récursivité, c'est-à-dire les niveaux inférieurs font émerger les niveaux supérieurs qui en retour contraignent les niveaux inférieurs, enfin, avec cette logique-là, puis après ça pose la question au niveau supérieur d'une forme, est-ce qu'il y a une forme d'autonomie au niveau supérieur, en essayant de faire attention à ne pas faire d'analogie trop rapide ou c'est pas des analogies, mais ne pas superposer trop rapidement autonomie et autopoïèse. Il y a eu tout ce débat hein, sur l'autopoïèse n'est pas l'autonomie ou n'est pas l'auto-organisation, on va dire. Et donc, il y a tout ce débat à avoir quand on pense à des niveaux supérieurs comme une organisation, la culture ou les systèmes sociaux, hein, c'est les travaux de Luhmann, par exemple. Est-ce que c'est de l'auto-organisation dont on parle ou est-ce que c'est de l'auto-poïèse? Évidemment, il y avait ces débats-là, puisque dans un cas, Varela et Maturana parlaient du vivant, et il y avait quelque chose de très spécifique au vivant avec la notion d'auto-poïèse, et ça a été repris par d'autres, dans d'autres domaines. Donc ça me semble un point encore où il y a beaucoup de travaux à faire encore. Il y a des avancées tous les jours, sans doute, mais je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Sur la question de l'apprentissage, je suis d'accord qu'on pourrait utiliser le terme de création ou de créativité, mais il faut se méfier avec ce terme-là qui est très utilisé, quoi, et qui est pétri de sens commun, et donc qui est aussi un piège. C'est-à-dire, par exemple, la distinction entre création et invention n'est pas une distinction très, très claire. Enfin, voilà. Et donc, nous, on aime bien utiliser... Pour des raisons d'analyse, mais aussi pour des raisons théoriques, on aime bien parler d'extension de la sémiose, parce que quand la capacité de faire sens augmente, il y a des logiques de créativité, on pourrait dire, mais on utilise un terme qui est un petit peu autre et qui nous libère peut-être des contresens sur la notion de créativité qui peut être un peu des raccourcis parfois. Et puis sur Fréré, évidemment, pour moi, c'est un auteur de référence pour nous aussi. Je sais que d'autres chercheurs dans le domaine de l'inaction, comme dit Paolo, ils font référence de temps en temps quand ils parlent d'éducation. Je pense, et en tout cas avec une étudiante, c'est le projet qu'on s'est donné, on essaie de redynamiser cette perspective d'éducation populaire de Paolo Fréré, mais au regard de l'inaction.
C'est-à-dire, d'une certaine manière, aussi en remettant un petit peu en cause la place que lui accordait au langage, qui était prépondérante dans son approche, et qui peut peut-être être revu, revisité, ou en tout cas repensé à la lumière de l'inaction, avec peut-être une autre manière de penser la construction de sens, de signification, la sémiose et le langage. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on aimerait travailler, on aimerait essayer d'avancer, parce qu'il y a sans doute une nécessité urgente, sociétale, éthique et autre, à relancer cette question de l'éducation populaire telle que l'avait initiée Paulo Freire, et pas que sur des questions d'oppression, des questions sociales, mais éventuellement, peut-être sur des questions environnementales également. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une éducation populaire qui s'intéresse aujourd'hui aussi aux questions environnementales et pas simplement à des rapports de pouvoir oppresseurs-oppressés. En tout cas, c'est ce à quoi on réfléchit actuellement. C'était un peu l'objet de ma dernière diapositive, mais je vais passer trop vite pour être très précis. Merci en tous les cas, et ça nous montre que cette perspective d'attention, que ce soit à soi, que ce soit aux autres ou à l'environnement, et je pense dans la volonté de Francisco Varela d'essayer de s'ouvrir aux autres par une sensibilité qui est justement une des thématiques de cette recherche de soi et de cette perspective bouddhiste d'aller chercher une attention, que ce soit à soi, aux autres ou à l'environnement, et donc une certaine forme d'éthique. Je vous remercie, on va faire une petite pause ici au CRI. On va vous garder le flux live pour pouvoir avoir le même lien pour la prochaine table ronde. Et on se retrouve donc dans 15 minutes sur ce même lien. Merci. Chanter. Vous chantez, ouais. Ah, merci, ouais, c'est trop. Et on va arriver.
Bien, nous voici pour la deuxième table ronde qui traitera donc d'une pensée post-énactive par rapport à ce que l'on a vu précédemment. Cette table ronde sera constituée de Sylvain Hanneton, Jacques Thoreau, Bernard Andrieux et Gaëtan Bironnet. Et nous terminerons par une discussion. Et pareil, vous pouvez laisser vos commentaires et vos questions sur le chat du live YouTube. Sylvain, c'est à toi. Oui. Lorsque Gaëtan m'a proposé de participer à cette journée, il m'a demandé de quoi tu aimerais parler. Et je lui ai dit, peut-être moi, j'aimerais parler de la question de la modélisation, de la place de la modélisation dans les théories en sciences cognitives, en particulier dans les approches liées à l'énaction. Et puis après, j'ai complètement oublié que je lui avais proposé ça. Il a fallu finalement réfléchir à la question et je me suis aperçu que ce n'était vraiment pas simple. Donc, je vais vous proposer quelque chose qui est un peu plutôt des présentations de quelques pistes de réflexion qu'un travail abouti, et ce, de façon très modeste. Donc, déjà, la modélisation en recherche aujourd'hui prend une grande place, hein, notamment en sciences cognitives. En particulier, la modélisation sert comme outil explicatif, démonstratif, des capacités d'une théorie à produire des connaissances. Gaëtan, je peux avoir le... Oui. Donc, dans la validation du caractère explicatif, voire opérationnel d'un paradigme ou d'une théorie par rapport à certains phénomènes. Et donc, qu'en est-il pour les approches dites énactives ? Et moi, je vais m'intéresser à un type de modèle particulier qui est le modèle mathématique, qui est éventuellement implémenté numériquement. Dans les questions qui m'intéressent, est-ce que finalement l'approche énactive impose des contraintes spécifiques sur la pratique de la modélisation ? Et quelles pistes on peut citer, discuter sur cette question ? Donc, je vais parler bien sûr un peu de l'épistémologie des modèles et puis après de son application à l'énaction. Donc, il faut bien distinguer la théorie du modèle et la théorie du paradigme. Une théorie, c'est un ensemble organisé de principes, de règles, de lois scientifiques qui vise à décrire et expliquer un ensemble de faits. Le paradigme, n'est pas au niveau de la théorie en quelque sorte, c'est un modèle théorique de pensée, c'est-à-dire c'est une façon de penser les choses. Ce n'est pas encore une théorie. Une façon de penser les choses qui oriente la recherche et la réflexion. Quant au modèle, c'est une représentation schématique d'un processus, d'une démarche raisonnée. Autrement dit, le modèle, c'est une représentation. C'est une représentation qui va simplifier un objet ou un phénomène existant de façon à améliorer sa compréhension et peut-être aussi d'en prédire le comportement. Donc, on se trouve dans la situation suivante. On a souvent des théories munies de lois et de règles. Et puis, on va essayer d'appliquer ces théories dans un contexte qui est souvent simplifié. On peut alors proposer un modèle mathématique et essayer soit d'explorer ses capacités, soit d'en produire des simulations, c'est-à-dire d'obtenir des données exploitables à partir de ce phénomène. Et donc, ces simulations donnent des observations, numériques, des nombres. Dans la réalité, on peut mesurer aussi le phénomène, c'est-à-dire une démarche différente, où on obtient des mesures qui constituent des observations, et l'idée, c'est de confronter les observations données par le modèle aux observations de la réalité.
Et c'est là où les choses se compliquent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette comparaison? En effet, il faut prendre quelques précautions. Le modèle ne constitue pas la réalité, il en donne une image. En particulier, plusieurs modèles peuvent donner les mêmes résultats. L'observation n'est pas, la comparaison n'est pas garante de l'unicité explicative du modèle. La qualité des résultats n'a pas à être parfaite. La qualité d'un modèle aussi dépend des techniques à disposition pour le constituer. Donc le modèle n'a pas de valeur démonstrative. Et ça, on a tendance à l'oublier. Le modèle ne peut en aucune façon démontrer l'efficacité d'une théorie. C'est une illustration, une image, une représentation, un objet de discussion. Gaëtan. Bah, je ne peux pas passer à la diapo suivante. Merci. Oui. D'accord, merci. Donc, alors, les diapositives ne paraissent pas comme il faut, mais c'est pas grave. Donc, voilà une définition possible hein, à quoi sert un modèle. Pour un observateur B, un objet A étoile est un modèle d'un objet A, à partir du moment où B peut utiliser le modèle pour répondre à des questions d'un autre observateur. Donc, le modèle, il comporte à la fois une part d'outils d'imitation de la réalité et il a des aspects aussi pragmatiques, hein, puisqu'il peut aider à résoudre des problèmes ou à avoir des applications. Alors, je prends comme exemple le connexionnisme. Il est issu de la théorie que le cerveau fonctionne comme un ordinateur parallèle avec des neurones interconnectés, des synapses plastiques. Et là, il s'agit de neurones formels, de neurones mathématiques, imitant les neurones naturels. Donc, dans certains cas, ce modèle, utilisant les lois proposées par la théorie connexionniste, permet de reproduire des capacités d'apprentissage. Mais seulement dans certains cas. Et donc, ces simulations ne peuvent démontrer que l'objet réel, c'est-à-dire le cerveau, fonctionne vraiment selon cette théorie. Simplement, on montre que la théorie peut donner des résultats dans un certain contexte. Alors, on trouve, maintenant je vais revenir sur la question de l'énaction, on trouve beaucoup de publications, pas tant que ça, hein, faisant référence à de la modélisation dans de nombreux domaines. Donc, j'ai noté en robotique, en psychologie, en musique, en danse, dans de nombreux domaines, on trouve des modèles qui se réclament du courant inactiviste et des modèles qui sont parfois intéressants, parfois moins intéressants, mais tout semble montrer que ben, finalement, la démarche de modélisation mathématique peut s'appliquer au courant inactiviste. Alors, je reprenais ici la définition d'énaction, mais on, je ne sais pas ce qui se passe, on ne voit pas le paragraphe sur le diaporama. C'est pas grave, hein, je reprenais une citation de Didier Bottineau sur l'historique hein, de la démarche inactiviste. En tout cas, bon, ça a été déjà repris dans les exposés précédents, donc ce n'est pas très grave. Je poserai quand même que l'inaction, ce n'est pas une théorie, mais plutôt un paradigme, un courant de pensée. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en quelque sorte,
On a à notre disposition, dans le cadre de cette théorie, un certain nombre de définitions, de propositions, mais manque d'articulation entre ces propositions et des lois, des règles de fonctionnement qui soient plus opérationnalisables. Là encore, je reprenais des citations disant que un certain flou hein, sur certains concepts liés à l'énaction rend difficile sa formalisation sous la forme d'algorithme. Voilà. En tout cas, ce qu'on retrouve dans l'approche inactiviste, c'est une forte opposition, vous le savez tous, à l'approche cognitiviste, qui comporte un certain nombre de propositions, et notamment une proposition forte, hein, qui peut être que le cerveau fonctionne comme un ordinateur, si je dois reprendre les choses. Le cognitiviste, là je reprenais une citation de Michel Deglas, hein, est défini comme un fonctionnalisme computo-représentationnel. Alors qu'un système cognitif inactif utilise, lui, d'autres principes et en particulier se place en opposition par rapport à cette proposition que le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Alors, quelles sont les propositions principales qui orientent ce paradigme de l'énaction modèle de pensée? Donc, j'ai essayé de reprendre vraiment les propositions principales, il y en a d'autres, hein, c'est exhaustif du tout. La première proposition, c'est que les organismes et esprits humains s'organisent eux-mêmes en interaction avec l'environnement. L'énaction oppose la métaphore des organismes vivants à celle de l'ordinateur. Hein, donc, on a une opposition, le vivant à l'ordinateur. Je reprendrai ça un peu plus. On ne peut comprendre la cognition si on isole le système nerveux de l'organisme et du contexte. Hein, donc ça, c'est toute la démarche de la cognition située, par exemple. L'inaction discute le rôle des représentations dans la perception de la réalité. Ça a été aussi, ce point a déjà été abordé dans les exposés précédents. Et les systèmes vivants sont dotés de la propriété autopoétique, hein, propriété d'un système de se produire lui-même en permanence en interaction avec l'environnement. Alors, pour la suite de mon exposé, je vais travailler particulièrement sur quelques aspects. Alors, évidemment, tout est décalé. Dommage. C'est pas grave. Je vais m'intéresser à deux propositions. C'est un être vivant. Voilà. C'est auto-transformé. Donc, je vais surtout reprendre quelques-unes de ces propositions. La première proposition, c'est l'opposition entre le vivant et l'ordinateur. Et la deuxième proposition, c'est la question de l'autopoïèse, hein, c'est-à-dire le fait de définir le vivant comme un ensemble de systèmes en interaction qui se construisent en permanence et qui se reconstruisent en permanence. Donc revenons maintenant à la question du modèle. Dans son opposition à la métaphore de l'ordinateur, l'approche inactive, eh bien, elle va questionner un certain nombre de dualités. La question du rapport de l'information au signal, la question du digital et de l'analogique, la question du continu et du discret, et la question du naturel et de l'artificiel. L'opposition, par exemple, digital-analogique, ben c'est de l'opposition du traitement qui peut être réalisé même dans le cadre d'un modèle, hein, le traitement qui peut être réalisé par différents processus. Et on sait qu'un processus analogique fonctionne de façon très différente d'un processus digital. Je reviendrai là-dessus, mais
Il y a eu une époque où sont apparus les ordinateurs et on est passé de systèmes de simulation analogique qui ont existé à des systèmes de simulation digitaux numériques. Et c'est très intéressant de relire des articles de cette époque-là où on voit la profondeur des différences qui séparent ces systèmes. Dans l'opposition vivant-ordinateur, on trouve aussi l'opposition entre le naturel et l'artificiel, évidemment. Un ordinateur n'est pas artificiel. C'est la façon dont il représente les processus, traite les processus qui est artificiel. Et puis l'opposition vivant et non vivant. Bon, je ne l'ai pas mis, mais... Sur le deuxième point, la question de l'auto-organisation, de l'adaptation, de l'adaptation surtout multiniveau, multi-échelle. Tout ça, c'est présent un peu dans la définition de l'autopoïèse. Eh bien, on trouve là aussi des oppositions entre le sériel, le non-sériel, le top-down, le bottom-up, c'est-à-dire en fait, j'en parlerai, mais le fait que si on pense le vivant comme un système de couplage d'éléments multi-échelles, eh bien, est-ce que le comportement vient de principes supérieurs imposés aux éléments, une démarche bottom-up, ou bien est-ce que le comportement du système global, d'un organisme par exemple, va être dû à des règles qui viennent des composants lui-même de cet organisme. Alors, en ce qui concerne le premier point, l'analogique et le digital, il existe des différences fondamentales entre traitements analogiques et digitaux. Par exemple, la conduction analogique nécessite des transductions, c'est-à-dire des transferts d'énergie. Quand on fait un traitement analogique, eh bien, on est obligé de se soucier de l'énergie qu'on apporte au premier élément, comment elle est transmise au second élément, etc., etc. Alors que le digital, dans le digital, on essaie de tout faire pour ne pas s'occuper de cette question. Donc, il y a la question de l'énergie qui sépare ces deux approches. Le digital se conduit par comparaison, se recopie sans dégradation à l'infini, est indépendant du support et n'est pas bruité. Enfin, on fait tout pour qu'il ne soit pas bruité. Dans le digital, la vitesse de calcul dépend d'une horloge. Donc, tout est rythmé par l'horloge du système et dans le monde analogique, ça n'a pas de sens. La question de l'horloge n'a pas de sens. Le traité de l'information numérisée nécessite un codage et donc un décodage. Alors, dans une chaîne de traitement analogique, pas besoin, a priori, ces étapes. Donc, il y a beaucoup de choses qui diffèrent dans ces deux mondes. Et comme je le disais, il y a existé une époque où, pour faire des simulations, on n'utilisait pas des systèmes digitaux ni numériques, on utilisait des éléments analogiques couplés entre eux. Et on a un peu oublié toutes les méthodes et techniques liées à ces systèmes analogiques, mais c'est vraiment une chose extrêmement poussée et extrêmement intéressante. Là, je reprenais... De papiers qui parlaient des calculateurs analogiques itératifs, hein, par exemple. Et puis aussi, un autre article qui concerne là, l'utilisation du calcul stochastique pour simuler numériquement des systèmes analogiques. Bon, alors là encore, j'avais mis des très intéressantes citations. Qu'on pourra transmettre à nos... Voilà, il y a la version PDF. Absolument. Donc, c'est, en tout cas, ces citations, j'en profite pour faire de la publicité, ces citations sont issues du numéro 72 de la revue Intellectica, hein, qui parle d'Alan Turing et de son héritage, et je vous conseille très fortement la lecture de ce volume. Et dans ce volume, il est question, suite aux travaux de Turing, hein, sur de la relation entre le continu et le discret, c'est-à-dire... même en mathématiques, comment sont reliés les mondes des mathématiques continues
et le monde des mathématiques discrètes. Et cette opposition entre continu et discret est fortement liée à l'opposition entre inaction et cognitivisme, puisque un ordinateur, c'est une machine qui est optimisée pour ne traiter que du discret. Donc un ordinateur, il peut au mieux simuler le continu. Il ne fait que le simuler. Et cette simulation est imparfaite. S'il y a une chose qu'il faut bien retenir, c'est que l'ordinateur ne peut simuler le continu de façon parfaite. Donc on peut évidemment essayer de simuler des systèmes analogiques sur un ordinateur. Mais cette simulation ne pourra jamais atteindre, posséder les propriétés d'un système analogique. Donc, dans ces citations, en fait, Michel Degla et Jean Lasseg proposent que cette opposition continue et discrète discrédite définitivement le projet de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, en réduisant, j'essaie de formuler bien les choses, en réduisant le fonctionnement de la pensée à celle d'un ordinateur, on va dégrader complètement l'ensemble des possibles au niveau des propriétés du vivant. C'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. Ah non, là c'est... Là, je... Ça a reçu. Alors, j'ai une version PDF, peut-être, qui marche. Non. 7 minutes, on espère. Donc, il me reste un peu de temps. 4. Ouais. D'accord. C'est la même version. C'est la version PDF ou quoi? Quand l'ordinateur n'est pas content de ton exposé. Il a modifié. C'est un exposé vivant. Il a enlevé les citations, justement, qui type. Non, mais c'est le pire. Alors, je continue, mais bon, c'est la diapo suivante. Une question qui se pose et qui me paraît vraiment très importante, c'est le modèle. Un modèle, ça a une vertu explicative, une vertu de permettre la discussion. Mais ça peut aussi avoir un effet démonstratif dans le sens où on peut utiliser un modèle pour montrer la spécificité d'une théorie, sa pertinence. Alors, on peut très bien proposer des modèles numériques illustratifs dans le cas de l'inactivisme. Il y en a plein dans la littérature. Hein, par exemple, pour essayer de montrer comment on peut construire des théories des couplages. Mais si on veut construire un modèle qui propose des capacités spécifiques de l'approche inactiviste, c'est-à-dire des capacités qui démarquent l'approche de l'inaction de l'approche cognitiviste, eh bien là, on se trouve en difficulté. Parce que, de façon un peu ontologique, hein, tout modèle numérique est simulé par un ordinateur. Donc, si le cerveau fonctionne comme un ordinateur, tout modèle numérique de l'inaction sera inévitablement concurrencé par un modèle cognitiviste équivalent. C'est inscrit dans la méthodologie même de la simulation numérique. Donc, si on veut, là c'est une proposition un peu provocante, hein, si on veut que l'approche inactive s'avère spécifique par la production de modèles, quel outil de simulation utiliser? Eh bien, à ce moment-là, on n'a pas le choix. Hein. La seule façon de faire, c'est d'utiliser des systèmes de simulation analogiques. Alors, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais juste
parler de la deuxième point qui m'a intéressé dans cette réflexion sur les modèles, c'est la question de l'auto-organisation. Et là encore, par opposition à l'approche cognitiviste, c'est que dans les modèles cognitivistes, on a deux principes qui sont sous-jacents, qui est l'idée de la polarisation des éléments qui composent les modèles et du traitement séquentiel. Et ça, ça vient du modèle du neurone, du dogme du neurone, où le neurone reçoit des signaux par ses synapses, effectue un process de ces signaux, va produire ensuite ou pas des potentiels d'action qui vont voyager dans un sens et qui vont être activés ensuite les synapses, etc. Et donc, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière du potentiel d'action. On retrouve la même chose dans les modèles un petit peu robotiques ou en intelligence artificielle, où on a un traitement sériel de l'énergie. Donc, l'énergie va stimuler des capteurs. Ces capteurs vont envoyer des informations à des systèmes de traitement. Ces systèmes de traitement vont produire une réponse qui va être envoyée à des actionneurs. Et ces actionneurs vont utiliser de l'énergie pour interagir avec l'environnement. Et là encore, on a une polarisation et un traitement séquentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière des signaux. Donc je passe en fait les citations. J'avais encore des citations du numéro 72 que je vous reconseille. Et ici, on peut dire que si maintenant on s'intéresse au vivant, si on examine la façon dont le vivant fonctionne, on s'aperçoit que tous ces éléments sont adaptatifs. C'est-à-dire, tous ces éléments s'organisent en permanence. Par exemple, les capteurs, alors je prenais l'exemple de l'oreille, l'oreille s'adapte en permanence à l'énergie mécanique sonore, donc l'énergie provenant des ondes de pression acoustique, elle s'adapte en permanence au régime de ces ondes, en particulier grâce aux osselets de l'oreille interne. Donc, en quelque sorte, je pourrais dire que le gain de l'oreille change en permanence. Et donc, la stimulation de l'oreille interne, de la cochlée, n'est jamais stable par rapport à une référence. Il n'y a pas de référence absolue dans ce signal. Et c'est la même chose au niveau des actionneurs. Les muscles, en fait, comportent des capteurs qui informent en permanence le système nerveux sur l'état du muscle et qui adaptent la façon dont le muscle réagit à la commande motrice. Donc là encore, il n'y a pas de stabilité. Donc, ces éléments s'adaptent, s'organisent en permanence. Et en fait, finalement, on ne peut pas raisonner, si on se réclame une approche électiviste, on ne peut pas raisonner en termes de transmission séquentielle, de traitement séquentiel. On peut considérer la chaîne, que j'ai pris comme illustration, comme une série de couplages qui sont non pas polarisés. C'est-à-dire que le capteur reçoit de l'énergie, mais il est en train lui-même de s'adapter à différentes choses, à différentes contraintes, notamment des contraintes qui viennent de l'élément suivant, la chaîne de traitement. Et donc, il faut voir ce processus comme des couplages, qui eux sont séquentiels, mais des couplages entre les différents éléments. Et donc, il n'y a pas de polarisation au niveau de la circulation des signaux. Et ça entraîne des modifications dans la façon dont on peut simuler ou proposer des modèles. D'autant plus que, alors je vais peut-être terminer là-dessus, sur la question de l'intelligence artificielle aujourd'hui, dans la façon dont les réseaux de neurones ou les approches similaires fonctionnent aujourd'hui, l'adaptation du réseau est soumise à des contraintes qui sont des contraintes top-down. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les règles ou les lois d'apprentissage, comme la backpropagation ou autre, qui vont déterminer la façon dont le système, par son expérience, va modifier les synapses du réseau. Et donc, dans cette adaptation des réseaux de neurones, ce sont des principes supérieurs qui vont guider l'adaptation des éléments. Mais si on réfléchit un petit peu à ce qui se passe au niveau des êtres vivants, donc on a des systèmes qui sont des systèmes qui s'adaptent en permanence à toutes les échelles, parce que même une cellule s'adapte, un neurone s'adapte à différentes contraintes, un organe s'adapte,
puis finalement, les fonctions s'adaptent. Et chacun de ces éléments va obéir à essayer de respecter des contraintes qui lui sont propres. Et le comportement du système, en termes d'adaptation, résulte non pas de principes supérieurs, mais de principes individuels que doivent respecter les éléments de tous ces couplages. Voilà, donc en conclusion, on peut dire que le paradigme de l'énaction questionne le caractère démonstratif des modèles mathématiques énativistes. Et s'opposer à l'approche cognitiviste, c'est être en lien avec des questionnements très poussés sur les limites calculatoires de la discrétisation du continuum en particulier. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, s'organise surtout autour d'algorithmes séquentiels, polarisés, optimisés par des règles top-down qui s'inscrivent dans ces limites. Et donc, ça pose la question de l'adaptation des outils actuels de modélisation à l'étude de l'auto-organisation au sens autopoétique. Voilà. Parfait, merci. Cette modélisation, toujours le même principe, si vous avez des questions ou des remarques dans le chat YouTube, la salle aura peut-être des remarques. Et nous allons donc passer à la deuxième présentation de Jacques Thoreau sur justement une réflexion d'un modèle. Alors, ça l'a beaucoup fait rire quand je parlais de ça, post-énactique ou d'une vision qui s'ancre dans les propos de l'énaction de Francisco Varela, mais qui, au vu de la chronologie et du temps, a permis d'évoluer vers d'autres, peut-être d'autres dimensions. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Éventuellement. Oui, c'est parfait. Donc, nous sommes partis pour une vingtaine de minutes. Et nous en profitons également pour faire la publicité de votre site, extrêmement fourni, le cours d'action.fr. Il faut que tu fermes l'autre. Hein. Ouais, tu enlèves. C'est parfait. Oh, peut-être grossir un peu. C'est bon. Oh. Bon. Tu vas? C'est parti. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est vous proposer un peu de me suivre dans une promenade réflexive autour de ces trois notions, inactif, pré-inactif, post-inactif. C'est bon. Bon. Encore. Alors, mais cette promenade, somme toute bien tranquille, je voudrais quand même la mettre en perspective avec cette citation de Francisco Varela. Mon expérience de la guerre civile au Chili m'a appris que l'épistémologie façonne le monde dans lequel nous vivons et les valeurs humaines qui sont les nôtres. Alors, pour moi, c'est une thèse essentielle, ainsi que, disons, inséparable d'ailleurs de l'expérience qui y a conduit. Et bon, alors évidemment, il faut ajouter à ce que je dis que l'épistémologie, c'est-à-dire la réponse à la question comment connaître, est associée toujours implicitement ou implicitement à une ontologie, quoi connaître, et à une éthique. Pourquoi faire l'effort de connaître mieux quand on pourrait se laisser aller à alimenter son couplage structurel dans son activité, hein? Diapo, s'il vous plaît. Donc, cette thèse de Varela, donc, elle porte en fait sur notre couplage structurel avec le monde, hein, et elle se comprend vraiment pleinement. Il me semble que si on est quelqu'un, alors un chercheur bien sûr, mais pour qui déjà le savoir compte, hein, donc qui n'est pas un fan de l'opinion, hein, on pourrait dire, quoi, hein, et qui perd, finalement, qui est amené à perdre toutes ses certitudes sur le monde devant un événement auquel sa formation, son activité de chercheur ne l'ont pas préparé et l'ont même empêché d'en percevoir l'émergence.
Alors, d'ailleurs, dans ce même texte, Farella, bon, ben voilà, 6 ans après, parle de, ben voilà, le finalement, ce processus d'émergence, hein, qui était d'une polarisation extrême de la société chilienne. Alors, ça vous rappelle des choses aussi qu'on vit tous les jours. Hein. Donc, alors, là, donc, c'est un peu pour dramatiser, finalement, dès qu'on parle d'épistémologie, par rapport à l'inaction, il me semble qu'on a besoin de dramatiser un peu. Alors, mais voilà, alors, ce que je vais faire, moi, c'est ici, dans cette promenade, c'est qu'à partir de la question posée d'un poste inactif, je vais considérer un aspect de savoir sur le monde, hein, celui de chercheur et praticien dans notre genre, hein, partageant l'hypothèse de l'inaction, et donc considérer notre savoir inactif, hein, celui que développent nos recherches. Donc, une petite partie hein, de ce savoir sur le monde. Je vais me focaliser aussi sur les heuristiques mises en œuvre qui manifestent le caractère vivant de ce savoir inactif. C'est un savoir en acte, donc les heuristiques, c'est ça. Alors, on vient d'en voir une question, l'heuristique, c'est celle de la modélisation, et les limites même, dont d'abord celles qui mettent en jeu, alors pour moi, le pré-inactif, c'est-à-dire les éléments de recherche non inactifs qui pointent vers l'inaction. Et je voudrais qu'en gros, que ça soit une préparation, une réflexion ultérieure sur cette thèse et le développement d'un savoir inactif du monde afin de percevoir les processus de ce monde et se préparer au pire et éventuellement aller à éviter le pire. Pour moi. Voilà. Alors, Gaëtan m'a demandé de vous parler, de partager ma réflexion post-inactive. Alors, je ne savais pas bien ce qu'il voulait dire par là, mais enfin, je me suis dit, je vais le découvrir en marchant. Alors, en fait, bon, il me semble que si... post-inactif, ça désigne comme naturellement, hein, ça devrait être un dépassement du paradigme de l'inaction. Je n'ai pas eu de réflexion post-inactive. Alors, même, justement, il me semble que justement, l'inaction n'a pas encore donné tout son potentiel, y compris pour aller régler notre problème avec la thèse de Varela. Hein. Donc, notre rapport, notre savoir sur le monde, selon comme couplage, culturel, structurel avec le monde. Donc, alors, par contre, on pourrait se dire bon, que la question du dépassement de l'inaction et d'autres recherches cognitives actuelles peut être posée par un constat, hein, celui qu'on peut faire de la multiplicité, de la diversité des programmes de recherche inactifs, par exemple entre Sylvain et moi, par exemple, de leurs relations d'ignorance, de contestation mutuelle, il y a longtemps que je n'ai pas lu d'ailleurs, de contestation mutuelle, de coopération mutuelle, un jour on fait quand même, croiser, entre eux et avec des programmes de recherche non inactifs mais aussi non cognitivistes. Hein. Alors, je cite une litanie, hein, Situated, Unbodied, etc. Il y en a. Alors, je dirais que, bon, ben non, pas forcément, ça ne pose pas forcément la question de ce dépassement. Car cette question, elle peut être liée à une vision non inactive du savoir inactif. Alors, je vais m'expliquer en image, en utilisant une vision naïve hein, d'un tableau de Diego Velázquez. Alors, naïve au sens que, en gros, je mets de côté toute culture. Hein, c'est-à-dire, je ne sais pas, je ne connais rien sur la cour d'Espagne, rien sur Diego Velázquez, rien sur la peinture de ce siècle, la peinture de cour de ce siècle-là, etc. Donc, je suis face à, alors, là, non pas à une représentation, alors c'est avec cette idée de représentation que Michel Foucault avait déjà utilisé hein, ce tableau pour justement illustrer le passage entre ce qu'il appelait l'épistémé, ou en gros l'idéal épistémologique hein, du classique au moderne. Mais là, justement, en gros, vous voyez bien là, si je ne connais rien, ben, j'ai des éléments qui sont vraiment largement hétérogènes et comme un collage à la limite. Hein. Donc c'est plutôt voilà, cette vision naïve. Hein. Et dans cette vision naïve, vous pouvez voir finalement que ben, tout ça, c'est un rassemblement de personnages et d'éléments divers dans un même lieu. D'accord. On a un même spectacle quand même supposé pour tous. Vous voyez, ça colle avec la vision classique ou moderne hein, du savoir. C'est un spectacle confiné, hein, il y a bien une petite ouverture au fond et une lumière discrète qui vient de la fenêtre à droite. Hein. Il y a une absence d'activité de qui que ce soit, hein, le peintre, les ménines, leur suite, le chien, le couple royal là, qui est reflété, enfin, qui est à notre place et reflété dans le miroir, et surtout le spectateur. Alors à ça, ben, je... Voilà, moi j'ai tendance à vouloir
vraiment présenter comme vision inactive du savoir inactif quelque chose comme ça. Vous voyez que là, ben, bon, vous ne pouvez pas louper le fait que disons, c'est mis en activité. Hein. Même vous, comme spectateur, vous êtes sommé finalement de faire votre propre variation de ce tableau. Diapo, s'il vous plaît. Donc, vous voyez aussi, bon, il y a un surcroît d'activité de tout le monde, hein, bien sûr. On pouvait même considérer que, on va dire que le spectateur, c'est lui qui l'est inclus dans le tableau à la place du peintre. Hein. Il est dominant et invasif hein, dans son activité, hein, dans cette image-là. On a une dynamique et une instabilité de tout, et on a aussi un spectacle déconfiné, on peut dire. Hein, l'ouverture au fond est beaucoup plus donne de la lumière, la fenêtre à droite, tout ça, ça illumine. Hein. On a un savoir qui est ouvert sur un savoir étranger, un savoir autre. Alors, jusque-là, bon, vous voyez ça, cette vision inactif du pré-inactif, d'après moi, hein, du post-inactif, de l'inactif, d'après moi. Vous voyez que ça dépend évidemment de chacun. Hein. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il nous faut une variation sur les ménines par chacun, hein, qui est chacun, spectateur particulier hein, des ménines. Alors, ce chacun, là, évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est lié à mon expérience personnelle, mon savoir inactif personnel, hein, évidemment. Et j'en ai rien dit pour l'instant. Et ben, je vais justement aborder finalement ce savoir inactif à partir d'un biais qui est le caractère vivant de ce savoir, c'est l'ensemble des heuristiques qui sont mises en œuvre par les différents programmes de recherche inactifs. Alors pour ça, donc, vous voyez qu'en même temps, en m'intéressant à telles heuristiques, j'ai en gros une idée du savoir vivant. Mais j'ai aussi, finalement, par les exemples même que je vais donner, déjà, je crache le morceau. Je vous donne aussi un état, finalement, mon savoir inactif. Alors, pour ça, je n'ai pas besoin de beaucoup. Hein. J'ai juste besoin, finalement, de quelques définitions, hein, d'avoir quand même une notion de l'inaction même, avec la figure que j'ai mise. Hein, vous avez les ballons de rugby, c'est deux acteurs. Hein, les patatoïdes, c'est leur monde propre qui se recoupe. Chacun est dans le monde propre de l'autre. Et puis toutes les flèches, toutes les interactions. Alors, des interactions informatives, hein, au sens que l'organisation interne de chaque acteur, hein, conditionne à la fois sa réception de perturbations et modèle la réponse à ces perturbations, hein, qui est vraiment tout à fait essentiel. Enfin, deuxième élément, le savoir, c'est un couplage structurel, c'est un savoir pratique, y compris le savoir scientifique. Si on est inactif, c'est ça qui est en jeu, pour moi. Et la conscience, alors c'est on pourrait dire que je cite Varela là, c'est une propriété émergente de l'activité humaine comme dynamique du couplage. Donc, c'est vrai que ça concerne pas simplement l'individu, hein, mon ballon de rugby, ça concerne l'individu dans son environnement. Alors, je vais en gros parcourir un peu ces heuristiques mises en œuvre en insistant quand même sur d'abord sur le pré-inactif et à travers des exemples. Alors, des exemples qui sont non exhaustifs. Évidemment, je les sélectionne en fonction du fait que justement. Typiquement, les heuristiques, c'est quelque chose qui dépend, disons, alors là, de celui qui les pratique. Donc, d'emblée, c'est mon expérience qui est en jeu, évidemment. Hein. Mon expérience ou bien l'expérience de gens avec lesquels j'ai eu une certaine des échanges suffisamment riches pour accéder à leur propre heuristique, disons. Hein. Alors, donc, je rappelle quand même avant le pré-inactif considéré par Francisco Varela, on va dire d'abord la pensée opératoire de Piaget. Bon, là, Germain Poisard vous en a dit hein, déjà, il me semble, suffisamment. Des éléments de certaines philosophies religieuses bouddhistes, un choix. Hein, des éléments de la phénoménologie de Merleau-Ponty, des modèles cognitionnistes. Ah, vous voyez que là, message subliminal, j'ai éliminé Edmund Husserl et puis Martin Heidegger. Alors, justement, parce que pour moi,
C'est problématique le rapport à l'énergie. C'est problématique, le rapport il est à la fois positif et négatif. Alors évidemment c'est trop long de développer l'histoire, mais je voudrais le pointer. Pour moi c'est ce qui pointe ce caractère éventuellement hétérogène, chaotique du savoir inactif pour des chercheurs comme nous. En tout cas, alors les exemples que je vais prendre, j'en donne une liste, je vais les parcourir au fur et à mesure. Non, on peut passer. Oui, je passe la diapositive. La première, alors. Pardon ? Ah, oui, quand même. Un premier élément problématique pour moi, c'est cette méthodologie des programmes de recherche de l'ECADAS. Alors d'ailleurs, c'est la plupart de toute une partie de ce que je vais dire là, c'est des choses que, en gros, qui pour moi étaient, ont fait partie de mes bases avant que je rencontre l'inaction, d'ailleurs, et que ça a été transformé par l'inaction, revisité et transformé par l'inaction. Alors, si vous prenez la méthodologie du programme de recherche de l'ECADAS, je vous rappelle les visées de base. Pour Thomas Kuhn, les conditions pour qu'une proposition soit un paradigme non trivial, apporter des solutions à des problèmes ou pas, être suffisamment ouverte pour laisser aux spécialistes un grand nombre de questions. Ça recoupe ce que vous disiez souvent, bien sûr, à propos de l'inaction. Donc, vous reconnaissez pas mal de traits de l'inaction comme paradigme. Alors, ce qu'amène la CATOS là, c'est l'idée. Alors, oui, quand même, chez Thomas Kuhn, l'idée, c'est quand même qu'à un moment, vous avez un paradigme, et puis tout le monde rame pour se battre avec ce paradigme, le réfuter, etc. Et puis, il y a éventuellement des périodes de crise, ce paradigme est en crise, et là, c'est le chaos, il y a plusieurs paradigmes éventuellement. Et là, ce qu'introduit tout de même notre ami Lakatos, c'est que c'est la crise perpétuelle. En fait, il y a toujours en droit plusieurs paradigmes. Peut-être pas en fait, parce que plusieurs programmes de recherche concurrents, y compris pour un même paradigme, d'ailleurs. Ce n'est pas simplement pour plusieurs spécialistes, comme le dirait Thomas Kuhn. Et là, alors évidemment, il peut y avoir les pouvoirs publics, les pouvoirs universitaires, on peut en favoriser un ou deux, mais il y en a toujours, en tout cas, deux droits. Et alors, ce que... Attends, voilà, non, on a trop vite. un élément essentiel qui fait que, disons, cette méthodologie des programmes de recherche est pré-inactive, c'est d'emblée, finalement, qu'est-ce que c'est le savoir pour la CATO? Le savoir, c'est le programme. Le savoir, c'est le programme, c'est ça. C'est la vie du programme, le savoir. C'est la dynamique du programme et les évaluations de ce programme. Alors là, simplement chez la CATO, un petit problème, c'est les évaluations de ce programme, c'est normatif externe, c'est fait par des experts, en gros. Des experts qui peuvent être scientifiques, sociaux. Alors justement, la transformation à partir de l'inaction, ça nous ramène à l'inaction des chercheurs concernés, du groupe de recherche, etc. Donc c'est du normatif interne, d'abord. Après, il peut y avoir toutes sortes de combinaisons, mais d'abord du normatif interne. Donc ça, c'est... Vous voyez que là, on est dans le calme. L'inaction, ça nous amène aussi, je vous ai dit que c'est du savoir pratique d'emblée, et avec un rapport, acteur-environnement. D'emblée, vous êtes, en gros, il y a une place pour la recherche technologique, y compris dans la recherche empirique. C'est-à-dire que la recherche empirique, ça devient non pas un cycle, hypothèse, on soumet l'hypothèse, on la valide, etc. Non, ça devient finalement hypothèse, un observatoire, y compris sa conception technique, ses méthodes, ses outils, etc. Des études empiriques, numéro X, un bilan, un développement technologique, aussi bien de l'observatoire ou des situations analysées, par exemple dans une situation comme moi, celle que j'étudiais, et une nouvelle étude empirique, etc. On est donc finalement, la technologie est d'emblée inclue, disons, dans la recherche scientifique empirique. Et aussi, évidemment, des programmes de recherche technologique, ça qui vont avec ce côté de savoir pratique, de rapport au monde qu'implique une action, et alors, de recherche philosophique, en gros, pour régler tous les problèmes, essayer d'aborder tous les problèmes de présuppositions, de préoccupations,
diverses et variées que, et éventuellement pas classiques qui impliquent l'inaction. D'emblée, l'inaction implique finalement une remise en perspective quoi, de toutes nos présuppositions et préoccupations. Hein, c'est Keynes qui disait que finalement les idées neuves elles sont finalement sont pas tellement difficiles en toi, c'est surtout difficile de débarrasser des idées anciennes pour y accéder. S'il vous plaît. Alors bon, deuxième pré-inactif qui me semble qui est important. Hein, le premier, vous voyez, c'est quand même ça conditionne vraiment une vision de déjà une façon d'aborder l'épistémologie. Hein, Deuxième, la conscience réflexive. Alors ça, c'est Jean-Paul Sartre qui a insisté là-dessus. Alors en même temps, évidemment, revisiter et transformer. Jean-Paul Sartre, son intérêt, disons, de pré-inactif, c'est qu'il a posé cette question de la conscience réflexive versus conscience réflexive. Alors justement, ça permet un peu faire entrer en discussion la notion de première personne. La première personne, c'est quelque chose de quand même tordu si vous y pensez. Hein. Normalement, si on pense la conscience comme émergente du couplage culturel, c'est pas première personne, c'est première personne en situation, on pourrait dire. Hein. Première personne et environnement ensemble, hein, pas, hein, c'est pas la première personne. Là, justement, la conscience réflexive versus réflexif. Hein, là, ça introduit vraiment un écart hein, entre le temps de la conscience, le temps éventuellement de la réflexion, et donc aussi de la situation éventuelle de la réflexion qui peut être aussi en première personne. Alors, comme spécification documentable, empiriquement, moyen des méthodes pragmatiques, hein, c'est un peu une expression que lui il aurait là. Alors, la visite et transformation de cette conscience projective de Sartre, j'ai d'autres phénoménologues qui ont tourné autour de cette notion. Mais justement, à la fois, Jean-Paul Sartre en parle peu, mais en même temps, donne des exemples pertinents, disons, de rapport à l'activité hein, de la conscience projective que ne donne personne d'autre. C'est la revisite des transformations, ça la redéfinit en rapport avec l'activité comme une action, au-delà des petits exemples de relations, hein, l'action tout court, l'activité tout court, qui sont données par ça. Ça la précise relativement à d'autres propositions philosophiques multiples et empiriques. Hein. Après, le pré-réfléchi, la prise de conscience de Vermeersch et Petit Mangin, qui sont issus revisite de Piaget, de la psychologie clinique américaine, évidemment, qui veut revisiter, qui précise aussi les méthodes d'accès hein, en termes d'entretien, de maintien et remise en situation, vous voyez, la présence de l'environnement, hein, dans leur différence avec d'autres méthodes, entretien, incitation, etc. Autre pré-inactif qui semble souvent négliger, c'est Charles Sanders-Peirce. Hein. Alors, il y a vraiment, son évidence de pré-inactif, on veut dire que ça apparaît que moyennant des efforts de forage, hein, donc là, vous le dites, ou alors de fromage, forage offshore, hein, en termes de, comme océan, disons, de manuscrits et océan de commentaires. Alors, ce commentaire, c'est souvent des commentaires un peu, oui, pour pas cher, d'ailleurs, hein. Alors, elle est exprimée, évidemment, ce pré-inactif en termes de pensée-signe, hein, qui sera remplacé d'emblée en rapport avec l'inaction comme activité signe, si on veut, ou activité comme une action. Alors d'abord, les trois catégories de l'expérience chez Peirce sont dynamiques, donc c'est du possible vers l'actuel, du virtuel, qui s'inclut mutuellement. Le signe triadique classique peircéen, toujours une spécification de ces trois catégories qui décrit la pensée à un instant donné. Cette pensée est présentée comme toujours produit des pensées antérieures. Ça vous rappelle peut-être quand même le rôle du couplage structurel dans l'activité, c'est-à-dire qu'on est toujours à fabriquer son couplage structurel et à le traîner avec soi. Hein. C'est lui qui va vous permettre de sélectionner et de modeler, justement, sélectionner les perturbations, modeler vos réponses. Hein. L'inexistence de l'intuition comme révélation instantanée. Alors là, on entre dans une polémique éventuelle entre différents chercheurs inactifs. Hein. Pour ça, j'ai cité Michel Wildboll, d'ailleurs, hein, qui présente cette intuition comme la révélation censée jaillir d'une réduction phénoménologique bien faite. Hein. Et il me semble que là, justement, Peirce, mais il me semble que l'inaction
bien penser en rapport avec la notion de couplage structurel, ça amène à replacer la réduction phénoménologique dans, et on ne sait pas que ce n'est pas la supprimer, hein, c'est la replacer dans toutes les pensées antérieures, donc toutes les activités antérieures, disons. Hein. Ce qui est évidemment différent de Husserl. Et aussi, alors, ces peurs se représentent à même comme choc qui dépend de la pensée en cours et passée, donc qui donne un primat de l'ensemble de la dynamique de pensée sur la perception. Là aussi, c'est différent de Husserl. Alors, je cite en passant un collègue brésilien, là, qui vraiment est passé de Merleau-Ponty. On ne peut pas passer, il me semble, de Husserl à l'inaction comme ça, mais de Merleau-Ponty à la fois peur et l'inaction, oui. Alors, bon, j'ai juste un rappel, hein, la proposition que j'ai faite, hein, dans le cadre du programme de recherche Cours d'Action, d'une transformation, hein, du pré-inactif par C1, hein, qui utilise les dernières réflexions de peur sur ces catégories. Alors là, EAS et les notions qui font partie de ce signe hexadique, avec toutes les relations entre elles, et 1, 2, 1, etc., les catégories, hein, parallèles. Alors, si vous voulez, là, bon, je décris brièvement, on va passer à la diapo suivante, pas tout de suite. Engagement, ouverture de possible, hein, à chaque instant, chaque acteur il est engagé, hein, dans une ouverture de possible, une structure d'anticipation qui est restreinte par la situation, et aussi un référentiel, c'est-à-dire ce qui, de son couplage structurel, finalement est suscité par, ben, justement où il en est là, à cet instant-là. Et il peut éprouver une perturbation, hein, représentamène dans le langage de Peirce, hein, et qui donne lieu à grâce à la collaboration du référentiel et de tout le reste, à une unité de cours d'expérience, et qui permet de fabriquer éventuellement une transformation finalement du référentiel, de son couplage, éventuellement fugace, s'il vous plaît. Alors là, ben, vous voyez que ça, normalement, la transformation, hein, c'est finalement, on pourrait dire que là, on a quelque chose qui concerne, hein, le signaliste, ça concerne la dynamique de l'inaction, en fait. Hein. C'est-à-dire, si je reparcours mes EAS, R, etc., l'ensemble de la dynamique informative acteur-environnement, c'est EAS, vous passez à finalement quelque chose qui va de l'environnement vers l'acteur, un représentamel, et sélectionné grâce à un REF, je ne vais pas rentrer dans le détail. Autre étape, réponse de l'acteur, un acteur vers l'environnement, l'unité d'activité, et on se retrouve avec, bon, un interprétant, une transformation du couplage, et avec, ben, finalement un nouvel état de EAS. Donc finalement, là, au bout du compte, finalement, le signe hexadique, c'est simplement finalement un repiquage de l'inaction. C'est une description en termes de sémiotique de l'inaction elle-même, en pointant bien qu'elle concerne le jeu acteur-environnement. Bon, là, ça amène aussi, dans cette revisite, hein, évidemment, à compliquer également l'idée de Peirce, hein, on est toujours lié aux pensées antérieures. Hein, et puis plus généralement, hein, ça pose quand même dans l'inaction, il n'y a pas eu beaucoup de candidats d'ailleurs pour se mêler de ça, c'est une nécessité de sémiotique nouvelle qui règle cette question finalement d'informatif, hein, au sens de Varela. Il y a eu la sémiotique dynamique de Petitot qui n'a pas eu beaucoup de concurrents. Hein, finalement, il me semble qu'en ce moment, on traite ou bien la sémiotique phénoménologique, selon les mots qu'utilisait Germain Poisard, hein, là, dont je parle, ou bien la sémiotique dynamique de Petitot, s'il vous plaît. Alors, autre candidat pré-inactif qui me semble intéressant, c'est la connexion socialement distribuée d'Edwin Hutchins. D'abord, il y a quand même un problème que nous ont laissé Maturana et Varela, c'est préciser l'activité collective
au-delà de la seule notion de couplage structurel de troisième ordre, hein, qui quand même ouvre un problème, mais il en fait un autre. Hein. Et la connaissance est seulement distribuée de notre ami Hutchins, qui en rock sur le tas a rencontré une action plus profondément que dans les discussions que j'avais avec lui. Il possédait dès le départ plusieurs éléments inactifs, par exemple l'environnement comme interne à la cognition, la cognition comme collective, en tout cas pas strictement individuelle, l'absence de soi dans l'acteur qui serait constitué en dehors de l'environnement instantané, par exemple, hein. L'exigence d'intégration à la fois des activités, des dispositifs techniques dans la vie sociale, à la différence de la plupart des sociologies. Et finalement, il me semble que ne manquait, disons, que la revisite transformation par l'inaction pour pouvoir traiter de la relation dynamique entre activité alors individuelle, sociale, c'est-à-dire individuelle en collectif, en société, et ou sociale individuelle, d'ailleurs un collectif, mais qui est toujours miné par l'inaction individuelle, qui était exclue par cette cognition socialement distribuée. En diapo suivant. Alors, je voudrais quand même aussi parler d'un cas problématique, c'est celui de la sociologie spéculative des systèmes sociaux. Je ne sais pas, peut-être que les modélisateurs, ils n'ont pas beaucoup fait là-dedans. Bon, ça s'appelle la sociologie des systèmes sociaux autopolitiques. Il y a le grand œuvre de Niklas Luhmann vient d'être traduit en français, hein, donc ça permet quand même de faire un point sur l'ensemble. Hein. Pour moi, la question que je voulais poser, c'est est-ce que cet inactif produit d'une revisite de pré-inactif ou d'emblée un inactif social qui s'est fabriqué en même temps que l'inaction, ou bien un pré-inactif qui reste à exploiter. Alors là, en fait, il me semble que notre ami Niklas Luhmann est passé de la sociologie fonctionnelle de Talcott Parsons, alors qu'il a vraiment beaucoup médité, y compris dans tous ses derniers écrits, et qui n'est pré-inactif que très secondairement, je trouve. C'est-à-dire qu'en tant que dépassant les frontières disciplinaires, ça va vers la transdisciplinarité à la Varela, mais quand même, c'est vraiment demandaire. Et aussi, une tendance vers une sociologie de l'action. De l'action, qu'introduire l'action, déjà, c'est justement ce qu'introduit pas en général, ou très peu, la plupart des sociologies. Mais c'est aussi une théorie sociale, comme produit de ces systèmes sociaux autopoïétiques, qui subordonne l'action à une éventuelle autopoïèse sociale. Mais contient de nombreux détails. Si on la regarde bien, qui contient de nombreux détails, hein, auxquels l'inaction peut offrir un meilleur cadre pour moi. Donc pour moi, vous voyez, je vous balance ça, c'est comme un élément à discuter. C'est une sociologie spéculative qui pour moi constitue un pré-inactif intéressant à exploiter et qui ne l'a pas été. Il me semble aussi que la fortune de cette heuristique de pré-inactif transformé par l'inaction, elle n'est pas terminée, disons, elle est loin d'être épuisée, puisqu'il y a de l'inactif, du pré-inactif qui naît tous les jours, il me semble, hein, avec tout ce que j'ai déjà cité tout à l'heure. Je pense à une équipe de recherche de staff de Rouen qui vient de prendre l'ecological cognition comme un pré-inactif à la fois à développer en inactif et à critiquer à travers des recherches qui vivent une sorte de synthèse productive. Pour vous donner un peu quelques exemples de cet intérêt de pré-inactif, alors à développer, hein, il y en a d'autres, attaquer plus brièvement les heuristiques multiples et multiplement combinés que mettent en œuvre les programmes électifs. Alors d'abord, celles, effectivement, qui sont surtout développés par le programme de recherche hors d'action. La confrontation à des problèmes généraux de l'activité humaine et qui cherchent des situations concrètes. Alors essentiellement, d'ailleurs, en l'occurrence, hein, pour le programme cours d'action, des situations naturelles ou bien des situations d'expérimentation écologique ou de simulation. La même confrontation à des problèmes généraux, mais d'emblée à travers des situations concrètes, hein, des familles de situations concrètes. Alors, on pourrait dire, là, je cite toutes les situations qui, au fur et à mesure, ont été abordées, mais il me semble à chaque fois qu'on change de situation, il y a du neuf qui se produit du côté de la fécondité, hein, du pouvoir heuristique et de l'évaluation du pouvoir de croissance.
la confrontation aussi à des problèmes concrets de technologie, la spéculation philosophique, y compris séparée de l'empirique et du technologique. S'il vous plaît. Alors, bon, là, je voudrais insister quand même sur, là-dedans, la transdisciplinarité ouverte par l'inaction, ça amène éventuellement à donner une place importante à la combinaison des heuristiques. Alors, je pense, bon, là, je cite un moment un peu de révolution dans le programme cours d'action, hein, qui a accumulé finalement tout un tas des heuristiques que je viens de citer là, quoi, hein, en même temps. Hein, donc, bon, je vais passer par tout le temps. S'ajoutent alors aussi, évidemment, d'autres heuristiques, hein, des heuristiques qui passent par des protocoles expérimentaux classiques, bon, et des protocoles expérimentaux innovants, hein, qui tiennent compte des paradigmes, des particularités du rapport à la technologie qu'impose l'inaction. Alors, je pense justement à mes amis de Compiègne avec qui Sylvain travaillait et qui cumulait aussi plusieurs heuristiques, hein, des hypothèses générales en recherche de situations à construire, des situations d'expérimentation de laboratoire innovant, une articulation avec des recherches technologiques sur l'état de dispositif et des recherches philosophiques sur, voilà, je les cite, hein, le caractère anthropologiquement constitutif de la technique. Donc, je vais conclure rapidement. Bon, il me semble, tout ça pour, disons, cette promenade, hein, pour finalement, conclure sur une question: quel avenir heuristique possible et souhaitable, hein, pour l'ensemble des programmes de recherche, hein, des programmes de recherche inactifs? Il me semble que là, il y a quand même une hypothèse pour moi, c'est de privilégier les combinaisons des heuristiques, justement, qui est justement permis et même suscité par l'inaction même. Alors, s'ajoute aussi une heuristique dont je n'ai pas parlé, évidemment, c'est celle de confrontation et coopération entre programmes de recherche inactifs et éventuellement divergents, enfin, qui se parlent pas souvent, comme entre nous deux, par exemple. Donc, alors, cette confrontation, hein, et cette heuristique de confrontation-coopération, hein, change pas, pas susceptible de changer, hein, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est pas susceptible de changer le principe du savoir inactif tel que j'ai voulu vous l'imposer avec mon ami Picasso. Hein. Mais ça peut améliorer son contenu, diminuer ses incohérences, hein, ses contradictions, par exemple celles que j'ai soulevées autour de Husserl et Heidegger. Ça permet aussi, et là je rejoins la thèse et l'expérience dramatique de Varela, hein, une préparation supplémentaire à la construction d'un savoir inactif sur le monde, hein, bon, et donc à se préparer éventuellement à comprendre ces dynamiques. Alors, pour conclure, je vais juste, pour rigoler, hein, vous donner deux diapositives, vous voyez, pour alors avoir ça, donc, là, j'ai une autre, c'est la variation numéro 30, hein, de Picasso. Vous voyez bien, il y a un enrichissement par rapport à ce que vous avez montré qui était en noir et blanc, il y a de la couleur, hein, il y a une certaine géométrisation, une certaine organisation. Vous voyez que ça reste le même chaos. Hein, donc, on est toujours dans ce que j'appelle une vision inactive, hein, du savoir inactif. Alors, pour éviter aussi, celle d'après, oui, un appauvrissement de la statique, même le chien roupille, hein, si vous voulez, dans celle-là. Hein, donc là, c'est juste pour conclure sur un peu rigoler après avoir quand même, je veux dire, il me semble que justement cette question des heuristiques, mais profondément de l'épistémologie, c'est une question vraiment quand même dramatique. Hein, voilà. Merci beaucoup. Et donc, nous allons passer la parole à... Mais en fait, on va faire ça à Bernard. Bon, on va se partager le temps avec... Oui, on va faire 15 minutes. On fait 15 minutes chacun. Parce que pour avoir un dialogue avant de... J'ai un chronomètre. De prendre la chose du repas. Oui. Je voulais juste dire que nous sommes trois membres du laboratoire... I3SP, donc Institut des sciences du sport santé de Paris, et qui co-organise aussi le colloque avec Gaëtan, puisque Gaëtan est doctorant dans notre laboratoire.
Effectivement, je suis hybride. Je suis à la fois à l'école doctorale du CRI et donc doctorant. Je voulais remercier le CRI. Voilà. Et puis, nos collègues de d'avoir. Alors, je vais aller. J'ai droit à la machine. Bien sûr. Oui. Voilà. Je vais déclencher le chronomètre. Rester dans le temps. Donc, moi, j'ai rencontré Francisco Varela à Biarritz en 1998 à l'occasion d'un colloque sur les sciences cognitives. C'était une rencontre assez brève. Après mon intervention, il s'est levé pour soutenir ce que j'étais en train de dire, puisqu'on avait fait notre thèse sur la neurophilosophie et la critique. On a passé beaucoup de temps à lutter contre l'éliminativisme. Et donc, on a essayé de construire un modèle un peu alternatif en philosophie autour de l'émerciologie. Ça marche comment, ça? Il faut la mettre sur la table. Pardon. Et la mettre sur le fond. Là. Ouais. Là, plus là ouais. Ouais. C'est comme les actions, il y a quand même des lignes directrices, on ne peut pas tout faire. Ouais, mais là, c'est... Ah, voilà. Donc, en fait, nous, en fait, on essaie d'éviter l'opposition entre, d'un côté, une phénoménologie transcendantale qui reposerait uniquement sur l'analyse du corps vécu, et de l'autre côté, une très forte naturalisation qui m'a été combattue, puisque la neurophilosophie et l'éliminativisme avaient pour projet de faire disparaître la psychologie, la sociologie, la philosophie, enfin, etc., dans un programme de naturalisation complète. Et donc, bien sûr, l'œuvre de Varela était absolument essentielle pour nous, puisque, et là, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, le système autopoïétique nous permettait de nous introduire à la question de l'écologie, qu'on a traduit à travers la thématique de l'écologie corporelle. Et donc, cette thématique de body ecology, on a essayé de parler tout à l'heure de méthode pédagogique inactive. En tout cas, nous, on l'a traduit dans une méthode immersive, où l'idée, c'est d'apprendre de son corps, c'est-à-dire de partir du corps vivant pour essayer de placer les gens, alors peut-être pas dans une problématique d'attention, mais aussi pour qu'ils fassent attention malgré tout à ce qui se passe dans leur corps, sans forcément qu'ils en aient immédiatement conscience. Et donc, dans cette modélisation qu'avait faite Marie Agostinici pour sa thèse sur le corps impropre, qu'on avait co-dirigé avec Sylvain, justement, on a essayé de placer le corps immersif comme une sorte d'interface entre ce qui se passe dans le corps vivant du point de vue de l'inaction et ce qui va pouvoir être perçu du point de vue du corps vécu. Puisque le problème pour nous du post-inactif, moi j'interprète le post-inactif comme, ok, il y a de l'inaction, mais qu'est-ce qu'on en perçoit de cette inaction? Comment est-ce qu'on l'aperçoit? Comment est-ce qu'elle arrive à la conscience? Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Et donc le terme d'immersion est venu. C'est un terme en fait d'astronomie qui veut dire la remontée involontaire à la conscience de quelque chose que nous ne contrôlons pas. Et donc voilà cette poussée du corps vivant vers le corps vécu, c'est quelque chose que l'inaction a permis justement de mettre en œuvre et qui pose le problème à la fois de l'accessibilité et aussi de la possibilité de pouvoir s'en saisir. Comment est-ce qu'on peut s'en saisir? Et donc, on a développé ça à travers une série de trois ouvrages, donc il y en a deux qui sont parus, autour de l'immersiologie. D'une part, sentir son corps vivant, est-ce que c'est possible? Et d'autre part, y a-t-il une langue? Et là, on retrouve le problème posé par Wittgenstein sur la question de savoir, est-ce qu'il y a une grammaire? Comment est-ce qu'on pourrait poser cette question-là? On avait travaillé ça aussi chez Fegel, puisque Fegel avait développé toute cette question-là dans les années 70. Et donc, méthodologiquement, bien évidemment, on est confronté à plusieurs types de méthodes. C'est-à-dire que si on prend la partie basse du schéma, on voit qu'on va s'intéresser à cette activité du corps vivant, le schéma corporel, la proprioception, les postures et tous les signaux dont on a parlé déjà ce matin. Et bien évidemment, on va pouvoir l'auto-confronter. On voyait le Brain TV ce matin. Pouvoir l'auto-confronter avec ce que dit le sujet, effectivement, soit par la méditation, le focusing, la pleine conscience, soit aussi par le journal, l'analyse réflexive, une dimension développée en première personne.
Et donc, bien évidemment, hein, on voit qu'on s'inscrit dans un certain courant qui est plutôt effectivement neuroscientifique, hein, mais pas n'importe quelle neuroscience, puisque on va s'intéresser à des travaux qui justement essaient de s'intéresser à une activité implicite. Hein. Je lisais le livre de Damasio qui vient de sortir, il met beaucoup l'accent sur le terme d'implicite, hein, qui revient tout le temps dans son livre, et il dit, attention, c'est cette activité implicite qui pose problème, parce que comment est-ce qu'on va pouvoir, on va pouvoir s'en saisir, hein, du point de vue de la conscience. Donc, avec Nicolas Burel, on avait élaboré, avec sa thèse, ce type de schématisation pour essayer justement de montrer que non seulement il y avait des problèmes de vitesse de traitement de l'information et aussi d'accessibilité avec ce fameux retard, hein, que, bien évidemment, on connaît, à savoir que ceux qui accèdent à la conscience, ce n'est pas le corps vivant dans sa présence, c'est déjà un corps vivant plus. Alors, 40, 80, 140, 450 millisecondes, ça va dépendre, hein, de quel. Donc, on n'est jamais vraiment en direct, hein, avec ce qui se passe. Et donc, bien évidemment, on est confronté, d'une part, à un traitement implicite, hein, dont je parlais à l'instant, à une écologisation permanente du corps vécu, je crois que tu as parlé justement tout à l'heure, et aussi à une immersion avec de l'awareness. La question, c'est comment est-ce qu'on traduit awareness en français ? Est-ce qu'on le traduit par éveil, hein, ou est-ce qu'on le traduit par prise de conscience ou par conscience? Nous, on a préféré le terme d'éveil, puisque ce qui nous intéresse, c'est comment la conscience va être éveillée justement par cette activité du corps vivant et qu'est-ce qu'on va pouvoir en percevoir. Voilà, enfin, je ne veux pas refaire les citations, hein, que vous connaissez tous par cœur. Et donc, avec Sylvain, on avait dirigé ce numéro d'Intellectica de 71. De 2019, où on parlait justement de cette action de l'activation du corps vivant, hein, qui peut prendre plusieurs formes, hybridation technologique, remédiation aussi, hein, les processus de remédiation, de recalibration, et aussi d'immersion. Et puis, il y a tout le volet technologique, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui fait que, bien évidemment, la question du devenir cyborg, hein, pose le problème des interfaces avec les machines. Et donc, là, je vais présenter quelques travaux, il me reste 8 minutes, quelques travaux de nos doctorants, bien que Gaëtan, bien sûr, va préciser aussi tout ça tout à l'heure, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir de ce qui se passe à l'intérieur du corps vivant et de voir comment la perception peut en avoir une représentation. Alors, par exemple, on travaille au niveau artistique avec, par exemple, l'œuvre de Maroussich. Je dis ça aussi par rapport à ce qui va se passer cet après-midi. C'est-à-dire, Maroussich est un artiste suisse, hein, bien connu, et on vient de sortir un gros papier sur le numéro sur On Micro Performativity. On s'intéresse justement aux modifications internes vécues par l'artiste dans le moment de sa performance et justement les seuils de conscience qu'il traverse. Hein, et il est capable de décrire à travers son journal qu'il tient justement ce qu'il traverse comme expérience. Donc, bien évidemment, alors c'est pas très, hein, il n'y a pas des flèches, il y a des boucles, etc. Hein, donc voilà, ça paraît un peu linéaire, mais bien évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout voilà cette étape intermédiaire, hein, entre ce qui se passe dans l'inaction, les affordances, l'écologisation, et puis la perception, hein, du corps vécu. Et le premier terrain, en fait, dans lequel j'ai découvert ça, c'est un terrain circassien au Centre national des arts du cirque. Et en fait, ça a commencé avec cette vidéo, hein, en GoPro que j'avais installée sur le corps de Louis Miguel. Et où vous avez Jonathan, qui est le récepteur, qui fait ce geste-là, hein, au moment de la réception du corps de Louis Miguel. Et quand je lui montre cette vidéo en confrontation, il me dit, mais ah bon, je fais ça. Hein, c'est-à-dire qu'en tant qu'expert, hein, de son corps, il n'a pas conscience d'un certain nombre de gestes que fait son corps vivant. Alors, soit en termes de réflexes, en termes émotionnels, etc., mais il ne le voit pas. Hein, donc ça m'a fichu un coup par rapport à ma formation phénoménologique, où je me suis dit, bon, je croyais. Non, et en fait, il y a toute une activité sous-jacente, implicite, que même les experts du corps, hein, n'ont pas conscience. Donc, on a essayé de réfléchir à ça. Et donc, d'essayer de se poser la question
de cette vivacité de l'activité du corps vivant qui vient perturber, en tout cas informer le corps vécu. Ça marche plus. J'étais dans le temps. Voilà. Et donc, bien évidemment, dans une certaine mesure, on a déjà des réponses dans la phénoménologie, mais nous, comme tu le disais tout à l'heure, on ne reste pas forcément du côté de Husserl. On va plutôt se tourner avec Alain Berthoz. On avait fait un colloque sur le corps en acte au Collège de France pour le centenaire Merleau-Ponty. Donc, on s'était intéressé plutôt sur cet aspect-là. J'arrive pas à dépasser la phénoménologie. Voilà. Et donc, dans une certaine mesure, nous, on a essayé de fonder l'immersiologie à partir de cette écologie corporelle pour essayer de penser cette articulation entre ces différents niveaux. Donc, aujourd'hui, on est confronté peut-être à des courants qui, entre guillemets, s'opposent, mais en fait, sont quand même des courants qui discutent véritablement de ce côté-là, parce que, bien évidemment, si on part du côté de l'awareness, de l'astomaesthésie, etc., eh bien on va s'intéresser beaucoup plus à l'activité, je le disais tout à l'heure justement, émergente du corps vivant, alors que bien évidemment, tout ce qu'a fait magnifiquement Nathalie Deprat, Antoine, etc., c'est effectivement de pouvoir se saisir en partant de la conscience de cette activité-là. Donc, effectivement, nous, on admet qu'il y a une discontinuité, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de. Nous admettons que le corps vivant est toujours en avance, on le disait tout à l'heure, sur la conscience que le sujet en a, et qu'il est très difficile d'établir une continuité par la conscience. Ici, par exemple, on travaille en papier qui va sortir en 2022, on travaille sur la théorie du corps que se construisent les circassiens. Je leur ai demandé de dessiner comment est-ce qu'ils se représentent le fonctionnement de leur corps. En l'occurrence, par exemple, ici, Vassiliki, qui représente comment fonctionne son cerveau. Ce qui, du point de vue des neuroscientifiques de la salle, va vous apparaître complètement délirant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette théorie du corps qu'elle construit lui sert pour pouvoir produire sa gestualité. C'est-à-dire qu'elle elle trouve un sens entre la manière dont elle utilise son corps fonctionnellement et la théorie qu'elle s'est construite. Et ça, c'était intéressant de voir que ces dessins de conscience permettent de... Donc, on est sur le débat top-down, bottom-up, bien évidemment. Nous, on choisira la démarche plutôt bottom-up. Il reste 3 minutes. J'avance. Juste pour vous montrer 2 diapos finales, pour vous montrer le travail que nous faisons avec Claire Linné, qui travaille sur les zones proximales interoceptives chez les adolescentes obèses, et qui est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des zones interoceptives qui ne sont pas conscientisées. C'est-à-dire que l'état du corps, l'envahissement de la dimension de l'obésité dans le corps vivant, eh bien, fait que il y a des zones d'appropriation et des zones où elle ne peut pas s'approprier. Et donc, nous, avec comme on l'avait fait avec Marie-Augustine, si on reconnaît qu'il y a un corps capacitaire, qu'il y a un corps impropre, qu'il y a peut-être des zones interoceptives qui sont non conscientisées, et que le fait que d'admettre qu'il y a ces discontinuités, ça permet d'avoir une relation, on parlait de méthode tout à l'heure, en disant ben, finalement il y a des choses qui peut-être m'échappent, qui sortent de mon contrôle, mais à partir duquel je peux avoir une information pour avoir une extension du champ de conscience. Et puis là, le travail d'Antonella, qu'on commence à élaborer, bon, le schéma n'est pas totalement clair parce qu'il a un peu sauté avec PowerPoint, mais avec Antonella Poli, on travaille sur la question de qu'est-ce que c'est qu'une intentionnalité corporelle chez le danseur. Donc, je dis ça parce que cet après-midi, on va avoir des choses sur la danse. Et donc, on s'est aperçu en fait que il y avait sans doute plusieurs, en fonction de la relation chorégraphe-danseur, il y avait plusieurs manières pour le sujet de pouvoir accéder à des informations qui lui proviendraient directement de son corps vivant.
Et donc, si vous allez à gauche, vous avez une intentionnalité, c'est-à-dire le chorégraphe va totalement dominer le corps du danseur. C'est-à-dire, il va lui demander d'oublier complètement son corps vivant. Voilà. Et si vous allez vers la droite, eh bien, il va y avoir une co-intentionnalité, c'est-à-dire que la capacité de pouvoir prendre en compte l'activité, même invisible, du corps vivant du danseur est possible. Voilà, incroyable. Et donc, juste, je signale l'apparition du livre de notre postdoc qui revient du Japon, Alexandre Legendre, et, puisqu'on a développé des relations avec le Japon, d'abord avec Araka Okui, qui est préfacé par Schusterman et postfacé par Bertrand Düring, et qui vient de sortir sur l'expérience du corps vivant. Hein, c'est-à-dire qu'on essaie d'élaborer cette question, comment. Et la légende de cette photo, hein, c'est la fille de Haruka Okui, c'est bébé touchant le monde. Merci. Merci. J'ai tenu le temps. Hein. J'ai débordé de 42 secondes. Hein. On sent que c'est ton ventre qui a parlé. Donc, je vais également conclure cette matinée-là, en présentant effectivement l'objet de ma thèse en course d'orientation, qui, comme le disait Jacques, permet de faire une variété de chemins en fonction de l'individu. Donc, moi, c'est des élèves débutants en course d'orientation pour aller vers un cheminement commun et essayer d'avoir un but partagé, les mêmes objectifs, les mêmes représentations du monde, et au-delà des représentations, un fonctionnement et une adaptation en acte. Merci beaucoup. Et donc, je vais commencer mon propos par ce que nous dit Francisco Varela. Quand j'ai regardé effectivement ce document, je trouve assez parlant. J'ai souvent utilisé en fait un très joli poème d'un poète espagnol qui s'appelle Machado, où il dit il n'y a pas un sentier qui existe déjà sur lequel on marche, mais on fait les sentiers ou les chemins en marchant. Cette activité de faire inséparable les chemins sur lesquels on marche avec l'action de marcher, c'est ça, cette idée clé. Donc, qui justement échappe soit à la passivité de trouver les sentiers déjà faits, mais dans le béton, ni est-ce que on marche n'importe où. Parce qu'il faut marcher sur certains terrains, sur certains contraints. Mais étant donné que ces contraintes sont satisfaites, il y a plusieurs sentiers qu'on peut donc tisser et affirmer sûr que cette marche se déroule. Donc je trouve que cette formule de Machado, il est assez prophétique comme expression de cette idée. Et je vais également reprendre cette formule donc, pour développer mon cycle de course d'orientation, en questionnant un petit peu comment, à partir des compétences et des appétences des élèves, alors en 2021, qui c'est vrai sont des experts des cartes, mais plutôt des cartes Minecraft que des cartes de course d'orientation, qui sont également dans l'émotion des jeux vidéo, mais comment on peut essayer de rendre tangible et concrète cette activité par le numérique ou avec l'aide du numérique, qui devient donc un numérique capacitaire et qui va peut-être par un design d'attention, on le verra par la suite, avec des outils ad hoc par rapport à notre volonté de faire progresser tous les élèves et de les adapter à un environnement, eh ben, refaire, prendre contact avec le monde naturel et en faire justement leur monde. Alors, pour ça, j'ai essayé de faire un protocole qui est vraiment en situation, en classe, un petit peu comme Jean-Philippe avec le programme Atoll, c'est-à-dire j'ai des collègues profs de PS qui sont en collège, et donc on fait l'ensemble des élèves ont un capteur sur leur bras pour tracer leur data, que ce soit en termes quantitatifs, c'est-à-dire la distance, la vitesse moyenne et leur chemin. Et puis, ces élèves-là, donc la moitié de la classe, vont avoir un retour à la fois par l'enseignant, mais aussi par ce dispositif-là, sur un écran. Et puis, j'ai une autre moitié de classe qui a ces informations-là, mais qui vont être vues que par le chercheur,
Et c'est uniquement à la fin du cycle, c'est-à-dire pour reprendre le propos de Jacques sur un cours d'action, c'est-à-dire sur un ensemble de séances et une évolution, pour voir quelle est l'évolution de l'activité de l'élève et si, surtout, les outils numériques peuvent avoir une influence, un transfert avec cette activité en situation et en contexte naturel qui est par définition complexe. Donc, est-ce que je vais pouvoir réduire cette complexité du monde et surtout la retransmettre dans la situation. Donc, vous voyez ici, pour ceux qui se rappellent leurs souvenirs peut-être lointains de cartes de course d'orientation, qu'on a des symboles. Et alors, si, c'est vrai que si on est dans une vision cognitiviste, ces symboles doivent être appris pour définir ce qui est les zones végétalisées, les zones construites par l'homme, les chemins, etc., les zones de relief. Et puis, nous avons dans une vision inactive, qu'est-ce qui va correspondre à l'expérience que l'élève peut en retirer pour choisir son chemin par rapport à ses caractéristiques et par rapport à sa perception qu'il a de son monde en situation. Donc, on est bien d'accord que c'est complètement différent de voir la carte comme nous, nous la voyons assez bien installée dans un fauteuil, et de courir après 10-15 minutes, d'être fatigué, d'avoir des émotions très présentes pour des débutants en sixième, de se perdre dans la forêt. C'est également un imaginaire culturel qui leur a été transmis par les contes. Petit poussé, je leur interdis de déposer de la nourriture pour retrouver leur chemin, mais en tous les cas, et si on fait référence à Michel Serres et Petite Poussette, on peut peut-être imaginer que ce tracking GPS représente un petit peu la nourriture que pouvait déposer le petit poussé pour essayer de retrouver son chemin, ou en tous les cas, pour essayer de s'imaginer, de prendre une attention, de se focaliser sur des éléments remarquables qui vont lui permettre de se diriger vers son objectif, qui est d'atteindre la balise. Donc, à partir de là, j'ai développé ici au CRI, avec des personnes compétentes de différentes disciplines, un capteur open source, donc Movino, par l'intermédiaire de Kevin Lost, un serveur autonome Raspberry Pi qui coûte quelques euros et qui permet d'être complètement autonome et par rapport aux commerciaux style GAFAM et par rapport à mon environnement de classe, puisque moi je suis à l'extérieur et à tout vent, donc par une batterie c'est possible. Et également de développer ici, avec l'aide de Séverin Ferrat, qui est étudiant au CRI, mais également étudiant à l'école 42, une interface donc, qui s'appelle Dora, qui est au service. Alors, Dora qui est à la fois l'exploratrice, effectivement, mais qui est aussi Digital Orienteering Race Application, pour nous permettre de nous guider et pour permettre à l'élève peut-être de se guider dans ce monde à la fois numérique, virtuel, mais à la fois tangible, où il va pouvoir voir que son activité peut se retranscrire dans l'écran et peut avoir un impact également dans sa pratique physique, un petit peu sur le modèle inactif de Francisco Varela, où on ne sait pas quelle est à l'origine entre la perception du monde et la perception virtuelle qui s'en représente, et qu'est-ce qui impacte sur son activité. En reprenant ici Alain Berthaud, est-ce que la perception est avant l'action ou est-ce que la perception est post-action? Donc, pour déjà, et on a vu les travaux de Francisco Varela sur la vision, pour déjà bouger son globe oculaire, ça nous demande une activité biologique et une activité en mouvement, et donc il semble beaucoup plus complexe que le lieu commun de définir ce qu'est une perception passive. Et on l'a vu avec les tableaux de Jacques, la représentation de l'artiste est fondamentalement une représentation sensible d'un monde qui n'est pas photographique, mais qui peut-être est plus proche de la réalité que nous pouvons la percevoir, et en tous les cas qu'elle est signifiante pour nous en tant qu'individu
culturelle, sociale, plutôt qu'une photographie qui, sans avoir vécu ce que représente le photographe ou ce qu'il veut dire, n'a pas une relation vraiment signifiante pour nous. Donc, le dispositif, et c'est également intéressant, alors moi, je suis plutôt team catering que les travaux des peintres figuratifs, mais en tous les cas, nous pouvons avoir des éléments qui sont conçus ici avec les nouvelles technologies, donc des imprimantes 3D, des capteurs open source qui peuvent être répliqués également par d'autres personnes, dans cette idée de faire aussi une communauté d'apprenants et une communauté qui va nourrir les usages et l'expérience de chacun. Et puis, donc, la batterie et le serveur. Et donc, on a également dans ce côté ressources humaines les concepteurs, donc Séverin pour la partie codage de l'interface, Kevin pour le capteur, mais aussi un partenariat avec l'éducation nationale et notamment le rectorat de Paris, ce qui peut sembler un petit peu non situé pour une course d'orientation, mais dans les parcs parisiens, on peut quand même avoir un premier contact avec la nature. Et donc, deux enseignants qui sont pilotes sur chacun de deux établissements, dans le 19e et dans le 3e, et deux classes par collège pour essayer de gagner en robustesse sur les datas. Alors voilà, nous arrivons donc à notre premier écran. Et donc, ce design d'interface, il est, contrairement au GAFAM, où on va essayer de nous présenter un design et une attention au service d'un plus grand temps de visualisation et de certaines zones de visualisation pour donner de la publicité au surfeur. Nous, ce qu'on veut rechercher de par l'élève quand il va voir cet écran-là, c'est essayer de lui donner de focaliser son attention sur quelques éléments remarquables et qui, on fait l'hypothèse, en fonction de son niveau, va changer. Donc, bien sûr, on part du principe qu'on est dans une culture du jeu et de la gamification. Donc, on est un petit peu sur notre barre de super-héros et notre barre d'énergie, elle va symboliser le nombre de balises qui sont validées, qui sont vraiment un élément prégnant. Le but de la course d'orientation, c'est quand même de s'orienter et de trouver son chemin pour aller le plus vite possible vers ce qu'ils appellent le trésor, mais ce qui est vraiment l'élément à aller rechercher et de permettre de se situer par rapport à son environnement. Mais ça, je dirais que c'est une fonction qui est également disponible quand, de façon traditionnelle, on va poinçonner le carton de contrôle avec la balise. Le deuxième élément, c'est la distance parcourue. Alors là, elle est précisée puisqu'il y a un tracking du capteur. Ça a deux intérêts. Dans un premier temps, on va voir l'activité de l'élève, mais dans un deuxième temps, ce qui va être bien, c'est de voir justement l'optimisation de cette activité-là. C'est-à-dire que pour certains, ils vont non pas chercher à faire le maximum de distance, mais à faire le minimum de distance pour comme gain de temps, bien évidemment, et également de compétences pour aller le plus rapidement d'un point A à un point B. Et là, on verra que cette notion théorique, peut-être mathématique, que le plus court chemin pour aller d'un point A à un point B, c'est la ligne droite, eh bien, comme en danse, c'est peut-être pas quelque chose qui est fondamentalement vrai dans cette activité-là. Et en tous les cas, en fonction du terrain, de la situation, mais aussi en fonction de mes qualités physiques, il vaut des fois mieux prendre le chemin carrossable, mais être sûr de son chemin, même s'il est un peu plus long, plutôt que d'aller grimper des montagnes si on n'en a pas l'énergie, ou alors passer à travers un bosquet et ne pas savoir où est-ce que l'on se situe. On a ici notre vision du trajet. Qu'est-ce que ça peut nous indiquer ? Alors, je sais que dans son livre, Jean-Philippe Lachaud aime bien les détectives qui vont rendre compte au commissaire, etc. Et nous, quand on est en course d'orientation, c'est la seule activité où on ne voit pas les élèves. Et donc, notre première mission,
pour connaître un petit peu leur activité, c'est de faire le détective. On sait qu'ils ont poinçonné ou pas, on connaît leur temps. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait au milieu? Bah, typiquement, cette boucle-là, je ne suis pas sûr qu'en tant que détective, on serait arrivé à trouver à quel moment et pourquoi l'élève a fait une boucle. Lui, typiquement, il va nous dire « j'ai un peu galéré », mais pas forcément à nous dire qu'il a été en difficulté au point de ne plus savoir où il était. Donc, on sait qu'il a mis du temps. Et la troisième chose qui peut nous renseigner sur ce temps-là, parce que nous, on a essayé de considérer, enfin, c'est notre hypothèse à vérifier comme un petit peu une mesure de l'attention de l'élève, ça va être de voir à quel moment il s'arrête. Ici, c'est la vitesse. Ici, on a les balises, le positionnement des balises. Et donc, ça va correspondre à certains profils de course. Alors, on peut avoir, par exemple, le profil un peu foufou où je vais courir le maximum, tout droit. Et puis, quand je ne sais plus où je vais ou quand je n'ai plus mémorisé les éléments remarquables sur la carte, eh ben, je m'arrête. Et peut-être qu'effectivement, on peut faire l'hypothèse ici que l'élève s'est arrêté et a dû regarder sa carte. Et puis, ça dure vraiment un long moment. Et donc, on peut se dire peut-être que c'est la définition numérique de l'élève perdu. C'est-à-dire que là, il cherche où est-ce qu'il peut retrouver un contact avec son environnement et essayer de rendre signifiant des éléments de relation entre la carte et le terrain qui puissent lui permettre de se situer. Et puis, on a un deuxième interface, si on est dans un design vraiment inactif, c'est la place du ressenti de l'élève. C'est-à-dire qu'on a ici tous les datas en fonction du temps, de la distance entre les balises, si c'est validé ou pas. Très bien, c'est un élément objectivable, ce qu'on a qualifié aujourd'hui à la troisième personne. Mais nous, on va essayer d'avoir le ressenti de cet élève à la première personne. Comment il a ressenti? Donc là, il a tout trouvé, il s'est vraiment fait plaisir, donc il nous met pour cette deuxième séance. C'est trop cool. On peut peut-être penser qu'en fonction de son expérience, en fonction du ressenti qu'il va avoir, il va avoir une activité et une relation avec ce qu'il peut faire beaucoup plus précise et que ce bouclage qu'il a eu où il s'est perdu, là, il va peut-être pouvoir l'identifier dans une prochaine séance. Et comme ce que disait Bernard sur la relation avec des sensations, ce n'est pas forcément, notamment en sixième, certains sont bloqués par le côté écrit. On a rajouté ces émoticônes, c'est-à-dire ces petits dessins qui vont cliquer et qu'on va construire comme un carnet d'entraînement et qu'on va définir, garder en mémoire de l'ordinateur à chaque séance. Et donc, pour définir et pour objectiver un petit peu, si sur la quatrième séance, l'élève est complètement démobilisé, on pourra revenir au moins sur cette séance-là et de dire, eh ben, à la deuxième séance, tu avais quand même un fonctionnement qui était assez adapté à la situation. Pourquoi sur la quatrième séance, tu n'arrives pas à retrouver cette fluidité avec le terrain? Alors, ça peut être aussi un choix de l'enseignant, justement, entre l'activité que lui a ressentie. Mais comme je vous dis, en cours d'orientation, on a du mal d'avoir vraiment une mise en relation objective de la part de l'enseignant, puisqu'elle est parcellaire, et la relation que l'élève a. Et puis, on peut avoir également une mise en relation de l'ensemble des parcours. Alors ici, c'est plus complexe puisqu'on est dans une séance à 26 balises et on revient sur ce que nous dit, et même on met en image ce que nous dit Francisco Varela, c'est-à-dire qu'en fonction des groupes, avec les mêmes contraintes, chercher le nombre de balises en 40 minutes le maximum, on peut avoir des individus qui vont avoir des parcours différents. Les verts, là, par exemple, ils sont passés du 11 et ils ont vu qu'il n'y avait que deux ponts, donc soit ici, soit là, et ils se sont dit, tiens, je vais prendre le deuxième pont. Ça a été les seuls qui ont fait ce choix-là. Pourquoi? Peut-être par rapport à leur qualité physique, peut-être qu'ils avaient la flemme de revenir en arrière comme certains l'ont fait. Bref, il y a plusieurs possibilités. Je ne peux pas leur dire en tant qu'éducateur que c'est
vrai ou faux, que c'est une bonne ou une mauvaise réponse, c'est vraiment une réponse située. Et en tous les cas, c'est une réponse que eux, alors je ne sais pas si c'est un abus de langage, je veux dire qu'ils ont pris en conscience, mais en tous les cas, qui leur a semblé la plus adaptée dans cette situation. Et après, on voit que les Verts ont quand même pas mal couru, donc ils ont assumé cette prise de relation-là. On a d'autres groupes, par exemple les Oranges, qui eux savaient dès le début qu'ils n'arriveraient pas à faire l'ensemble du parcours. Ils avaient des qualités physiques moins importantes. Donc du coup, ils se sont focalisés et ils ont créé leur parcours, leur itinéraire, en fonction de leur niveau physique, pour essayer d'atteindre le maximum de balises. Donc, ils ont directement fait les choix de leur chemin dans une certaine autonomie, avec un cadre qu'ils ont respecté. Alors, comme les objets sont vivants, le orange ici, là, le grand trait, c'est un bug du GPS, ça arrive encore. Et donc, du coup, on a des résultats à la fois qualitatifs et quantitatifs sur le retour d'expérience. Alors, je mets des acteurs sur le cycle, c'est-à-dire à la fois des élèves, mais aussi de l'enseignant et, par voie de fait, du chercheur. Donc ici, on a notre groupe qui a une vitesse moyenne à 5,3 km/h, qui a réussi toutes les balises. Il a fait une petite erreur de navigation, mais qui n'a pas porté en conséquence sur sa relation à l'environnement et sa relation avec l'activité. Il est content, tout va bien. Ici, on a un élève qui a fait sur le parcours une petite erreur, mais qui, lui, a été focalisé sur un autre problème, qui est qu'il n'y avait pas de pic sur la balise 8. Donc, ce qui, nous, en tant qu'enseignants, nous aurait focalisé sur « il te manque une balise », pour lui, son problème, et ce qu'il a peut-être démobilisé, ça a été cette idée qu'il n'y avait pas de pic sur la balise 8, et est-ce que c'était réellement une balise à prendre ou est-ce que c'était une balise qu'il devait laisser. Et on voit que derrière la balise 8, il a dû être en retard, il y a un gros pic de course. Et malgré le fait qu'il ait fait moins de distance, eh ben, il a une sensation mitigée sur ce parcours-là. Et puis là, on a un élève qui a complètement raté l'activité. Et c'est très intéressant parce que d'une part, il nous dit qu'il n'a pas assez regardé la carte, mais d'autre part, en discutant avec lui derrière, il nous a dit qu'il était extrêmement surpris de l'échelle de cette carte-là. Donc, eux, les élèves ont la carte papier. Et l'hypothèse, et que développe aussi Alain Berthoz, c'est vrai que ces élèves-là sont beaucoup centrés sur les cartes numériques ou les cartes en mise en relation avec la voiture et le GPS. Et donc, le déplacement est beaucoup plus lent avec une mise en relation qui est beaucoup moins rapide que sur les cartes de course d'orientation, beaucoup plus précises. Et que là, on voit très clairement que les élèves sont allés presque au bout du parc. Et après, n'ont jamais pu savoir où ils se sont arrêtés. Donc pareil, on voit que ici il y a une grosse phase de solitude où ils sont perdus et ils essayent de voir où ils sont. Eux, ils pensent être proches de la balise numéro 1 et en fait, pas du tout, ils sont extrêmement loin et donc du coup, ils n'arrivent pas à mettre en relation la carte et le terrain. Et là, pour le coup, c'est un élément de calibration en fait entre le déplacement de leur corps, pour le coup actif, et même trop actif, et la perception qu'ils en ont par rapport à la carte et à ce qu'ils peuvent mettre en relation. Et donc, du coup, on va être ici sur une expérimentation de ces échelles-là, mais pour les vivre corporellement. Et au-delà du fait, en mathématiques, de travailler sur les échelles, ben là, ils vont bien comprendre et assez rapidement, ils l'ont mis en application parce que justement, le corps humain, et il faut donner plus d'importance à cette caractéristique-là, et ben, le corps humain s'adapte. Et quand on lui donne une information, si elle est alors ici presque vitale, puisque l'idée, c'est de ne pas se perdre, et ben, elle va être mise en application et intégrée par l'élève. Il va assez rapidement voir qu'il a une modification de son activité.
Et donc, quelques éléments qui ont étayé mon propos, c'est très clairement le livre du sociologue et philosophe Matthew Crawford sur l'idée de reprendre contact avec le monde, et ça, pour moi, entre en résonance vraiment avec les théories inactives de la place du corps dans l'œuvre de Francisco Varela, et ce retour, donc Matthew Crawford, c'est 2010, à cette idée-là. Il en a sorti un également en 2020 sur l'attention avec les voitures autonomes, et cette idée que la perte de compétence de conduire par les outils nouveaux était aussi une perte d'autonomie de l'individu dans sa capacité à avoir une compétence et à sélectionner des environnements favorables pour lui permettre de choisir. Eh bien oui, j'ai envie de faire du bruit avec une voiture qui fait du bruit, je peux choisir. Et ce trajet-là, qui est un trajet plaisir, est différent du trajet qui est induit par ce que je dois faire. Et la course de natation, c'est exactement pareil dans ce principe-là, c'est-à-dire de rentrer en contact avec la nature, qui est une forme de respect et une forme justement d'attention. Comment je peux être attentif à la nature si je n'y ai jamais été immergé dedans? C'est un premier contact qui me semble intéressant par le corps. Alors oui, parce que je suis prof de PS, mais parce que aussi je pense que si on ne fait pas dès le début cette acclimatation-là et ce contact-là avec la nature, eh ben on va devenir justement ce que dit Bruno Patino, des poissons rouges, c'est-à-dire que on n'aurait que, comme le poisson rouge, 6 secondes d'attention, et qu'en tournant dans notre bocal, ben, comme on tourne plus de 6 secondes, on retrouverait à chaque fois un monde nouveau, alors que eh ben, c'est juste notre mémoire qui aurait été vidée à court terme. Et donc, je vais conclure sur cet environnement inactif qui, pour moi, permet aux élèves d'avoir des fonctions capacitaires, c'est-à-dire par une relation circulaire entre le physique, ce que j'ai dans l'environnement, et le digital, ce que le numérique me permet de me rendre attentif ou me permet de voir de mon environ, non pas pour traiter cette information-là, mais pour l'incorporiser. Peut-être qu'il y a transfert, peut-être pas, ça c'est une hypothèse encore, et également changer son mode de point de vue, puisque nous sommes sur un point de vue allocentré, en troisième personne, en hauteur avec les cartes, et j'essaye de me représenter ce monde-là et la place de mon déplacement dans cette carte, et un point de vue égocentré sur le terrain où je suis en première personne et je regarde des éléments de l'environnement. Et donc, le numérique peut augmenter pour moi l'humanité de l'individu, paradoxalement, parce qu'il permet une expérience valorisée de ses potentiels au service de son projet d'action, de son adaptabilité à l'environnement et donc de son être bon. Et je souhaitais conclure cette matinée avec... Ce sont des concepts qui sont tellement inhabituels pour la pensée traditionnelle qu'il faut plutôt que les redire, il faut les dire, il faut commencer à déblayer tout un déterrant de développer un langage, de nous habituer à ce type de pensée. On ne peut pas imaginer que les gens, ni les éducateurs, ni les scientifiques, ni les publics, ni qui ce soit, est censé être familier avec tout ça. Parce qu'en fait, à mon avis, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est une espèce d'horizon d'un nouvel territoire. Je crois qu'on est dans les mêmes procès de faire une découverte d'un continent. C'est un continent de la connaissance et de l'esprit. Et les cartes qu'on a actuellement, ce sont sans doute insuffisantes, mais il y a toute une espèce d'évolution progressive, de voir la vraie carte. Et il s'agit plutôt de regarder ça comme une espèce de tendance d'évolution qui va marquer, à mon avis, toutes les possibilités de les années à venir.
l'intelligence ne se définit plus comme une faculté de résoudre un problème, mais comme celle de pénétrer un monde partagé. Je vous remercie. Non, je crois qu'il n'y a pas de discussion. Donc la discussion sera au repas. Donc si vous êtes avec nous, eh ben, elle se fera au quatrième étage. Et si vous êtes derrière votre écran, elle se fera entre vous. À 14h. Note, je sais pas.